Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pure improvisation. Alien contre Predator, une valeur certaine, une valeur sûre comme on dit. Je vais vous raconter des anecdotes sur ce jeu que j'ai déjà fait il y a très longtemps. Il y a peut-être 20 ans de ça. Ça m'effraie quand je dis ça. Mais une valeur sûre ce jeu. En plus, je le découvre sous une version mise à jour. Enfin bref, ça va être un régal. Ça va être un régal. Pardon, j'ai différents problèmes techniques. J'ai un peu tardé à reprendre mon antenne. Pourquoi? Parce que j'ai configuré le jeu avant de lancer mon direct. Et surtout les touches. Donc en fait, il y a trois campagnes dans le jeu. Predator, Alien, mais les Marines. Donc les... J'allais dire les Allemands, n'importe quoi. Les humains. Et pour chaque profil, en fait, il faut configurer des touches. Parce que chaque créature, chaque espèce a ses spécificités au combat et à la... Comment dire, à l'infiltration. Parce qu'il y a aussi de l'infiltration dans ce jeu, j'adore. J'ai gardé un excellent souvenir de ce jeu et je suis ravi à l'idée d'y rejouer. D'ailleurs, j'ai racheté une copie du jeu sur la plateforme que FunFan n'aime pas. La vapeur, là. Sachant que j'avais eu la chance de pouvoir m'offrir la version boîte à l'époque, l'année de la sortie du jeu. Et, oh, le souvenir merveilleux que j'en ai. Je me réjouis à l'idée de redécouvrir ce jeu avec vous aujourd'hui. L'imbécile que je suis a pas mis le chat, donc je... Attendez, je vais sauter l'écran, je suis désolé. Mais je vois pas ce que vous me dites dans le chat avec ma config. Enfin, ma disposition de fenêtre. Heureux, FunFan. FunAurora, t'es là dès la première minute. Merci. bon pied, bon oeil, comme on dit. Alors, attendez. Donc, je vais redécouvrir cette perle, ce monument, devrais-je dire, du jeu vidéo, là aussi. J'étais dithyrambique ce matin en parlant de Dying Light. Top 100, intemporel du jeu vidéo. Il en fait partie pour moi. Alien contre Predator, les yeux fermés, peut-être même dans le top 10. Magnifique. Allez, je redécouvre avec vous le jeu. Je m'en réjouis d'avance. Alors, on peut faire son crâneur. L'intro est rigolote. Oh, ça a été vachement amélioré comme interface par rapport à l'époque où je l'ai connu, au début des années 2000. Oh, regardez-moi ça. Oh, trop bien. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Message de FunFan 1992. Je suis dans le noir. Alors, j'ai du mal à interpréter ton « je suis dans le noir ». Ah, tu veux dire que j'en vois pas le signal du jeu? Ah merde! Si, FunFan. J'ai merdé mes réglages OBS? Attendez, vous voyez... Ah oui, vous voyez pas. Merde! Bah... Ah, j'ai superposé la sortie console de ce matin avec Gran Turismo 3 et... c'est ma faute. Merci de ta remarque, FunFan. Parce que je supporte... Dans OBS, en fait, quand vous faites une scène, pour ceux qui connaissent pas, c'est une position de calque. Il faut le voir comme ça. Et en fait, j'ai mis le calque de mon périphérique extérieur, les consoles, devant celui du PC, l'écran PC. Donc comme je n'avais pas désactivé ma console que j'utilisais ce matin, ça masquait en fait l'écran PC. Donc j'ai dû le désactiver pour que vous voyez enfin le... Voilà, le comment du pourquoi dans la coulisse. Merci de ta vigilance, mon fan. Et j'ai refait mon ânerie, qui est le chat. Donc à nouveau, je rezappe les fenêtres. Je suis nullissime. Sur la barre grise en haut, il y a encore marqué Gran Turismo. Oui, ça va changer. Alors, tu fais bien de m'en parler, parce que j'ai procédé à une modif dans ma coulisse ce midi. Oui, alors ça change. Ah, ça te parle aussi, Christella. Je vois ta réaction. Je fais un magnifique classique du jeu vidéo, mais j'y reviendrai tout au long de l'histoire. Parce qu'il est plein de souvenirs pour moi, ce jeu. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Oui. J'ai mon interface, comme vous le savez, la barre grise. Le nom va changer automatiquement. J'ai plus de saisie à faire. C'est moi qui l'ai programmé. Je suis trop fier. Toutes les 10 minutes.
Toutes les 10 minutes, il rafraîchit et hop, il va basculer de Gran Turismo à Alien contre Predator. Mais l'incohérence que j'avais avec ma cuisine de chaîne, c'est que je vous envoie en fait dans mon Discord l'alerte comme quoi j'ai pris mon antenne dans les 3 minutes qui suivent. Sauf que 3 minutes et 10 minutes, bah, ça fait que le rafraîchissement, parfois j'avais un miniature avec le titre qui correspondait au jeu précédent. Ce qui n'est pas classe. De facto, j'ai changé le paramètre dans Wisebot et j'ai dit, tu m'envoies une alerte Discord comme quoi je suis en direct un quart d'heure, 15 minutes après ma prise d'antenne. Ce qui fait qu'obligatoirement, le délai des 10 minutes sera passé au rafraîchissement automatique et vous aurez des vignettes avec le bon titre. Et puis, bon, un quart d'heure, c'est correct. Vous voyez mon baratin d'introduction, le temps que je peaufine mes réglages et tout, que tout le monde arrive tout doucement. Je préfère que les gens arrivent, les uns derrière les autres que tout un gros paquet d'une centaine de personnes d'un relais de chaîne. Bon, ça tient qu'à moi, hein. C'est une question d'être à l'aise avec vous pour les interactions, puis pouvoir individuellement vous accueillir, toujours un grand plaisir, et puis par politesse individuellement pour chacun. Mais voilà, vous savez tout. Allez, on va se lancer, je vais redécouvrir avec vous, c'est la version de la Jaguar. Ah, c'était sorti sur Jaguar, Alien contre Predator. Tu me l'apprends, je savais même pas. Moi, je l'ai connu que PC. Hein. Et je vais le redécouvrir avec vous sur PC. Ouais ? Ok, merci Fun Fan. Allez, on se regarde l'intro côté humain. Les Marines, c'est parti. Mon kiki. Nouvelle partie. Ah oui, j'ai vu dans les bonus, on peut avoir les épisodes commentés. Il y a des commentaires de développeurs. J'adore ça. On se le fera sûrement un jour. Enfin, là, faut déjà les débloquer. Hein. Ma barre partie, elle est vierge. J'y ai pas joué depuis 20 ans. Ah, je connais pas la Jaguar à part la voiture. Alors que celle-là, on a des goûts de luxe. Non, je déconne. Allez, go. Je vais peut-être en suer un peu. Je vais mettre normal. Je vais pas mettre facile. Que j'ai quelques échecs cuisants quand même. Ça me fera les pattes. Je vais pas mettre difficile ou cauchemar parce que je suis pas là pour me prendre la tête, faire défi ou recommencer 50 fois à la suite. On n'est pas là pour ça. Re la race moquette. Oh, c'est beau. Oh, je me souvenais pas que c'était si beau. Monsieur, nous sommes prêts à commencer. À quoi vous évaluez-vous son âge ? 10 000 ans ? 100 000 ans ? Monsieur Wayland ? Oui. Enclenchez la procédure d'effraction. Donc ils ont profané un monument et du coup ça a envoyé un signal dans l'espace. Chargement, des mondes meilleurs, maintenez enfoncé. Oh merde, c'est sûr. Ah oui, c'est des conseils de... Alors normalement j'ai bien configuré mes périphériques de jeu, ça devrait bien se passer. Je devrais Allez-y pas être trop... bien en douceur. Toujours rien à la surface. C'est beau. Apparemment nous n'aurons pas à engager le combat. Bien reçu, Marlowe. Nous sommes... What the fuck? C'est quoi le meilleur? Un inconnu détecté. Merde, il est nulle part. Marlowe, vous me recevez? Oh. Merde. C'est beau. Oh oh. Nous avons perdu le Marlowe. Souffle
de l'explosion en approche. Mettez vos ceintures et agrippez-vous. Toi aussi, le deux. Tequila, relève le gamin, il est dans le jus. Le bleu. Le bleu, tu m'entends? Allez, soldat, on se relève. Ok, écoutez. On a une possible infestation xénomorphe ici. Ouais, une chasse aux parasites. Donc tu es vos cibles à distance. L'acide moléculaire, ça peut faire vraiment mal. Jetez un coup d'œil à l'intérieur. Je vois quelque chose. Ça arrive, droit sur nous. Au contact. Cette narration. Oh, direct. Je me souviens pas de ça. Le bleu, tu me reçois? Ici Tequila. J'ai cru que je t'avais perdu, petit. Prends ton temps. Regarde autour de toi. Ouh là là, Tequila. Para 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 papa. Je suis obligé. Mais pourquoi elle a un nom de code pareil? Mais je vais la vanner à chaque fois. Oh, stimulant. Dopage. Merde, j'ai déjà oublié la touche que j'ai attribuée à. Oh. Ok, j'ai retrouvé. Ils ont été obligés de t'abandonner. La bonne nouvelle, c'est que t'as échappé à une putain de baston. Note pour soi-même. Ma radio est vulgaire. Mais hey, je me souviens pas de ça. Mais j'ai un gros doute, hein. J'ai un gros doute. Dans mes souvenirs, je me souviens pas de ça. Je me souviens quand j'étais. Le alors moi. Dans toute la colonie. Utilise ta lampe torche. Contrairement à Christella qui dit qu'elle adorait jouer le prédateur, pour moi j'ai adoré. Lumière, utilise un tube incandescent. Ah, je vous demande de vous arrêter. Ok, Marine, tu dois dégager de là. Passe par la cave pour sortir. T'envoie l'indicateur d'objectif sur ton interface. Tequila, votre mission est de observer le silence. Merci. Je peux même plus en placer une. Oui, ce que tu disais, Christella, que tu adorais incarner le Predator. Moi, j'ai été marqué par une. Alors, pardon, je vous divulgage ceux qui connaissent pas. Enfin, si c'est bien le jeu là, mais du coup, j'ai des doutes. Incarner l'alien, et à un moment il y a une phase, le début du scénario de l'alien, vous êtes larvaire, vous venez de naître, d'éclore. Et en fait, je me souviens de la première mission, pour gagner la taille adolescent, intermédiaire, il faut bouffer un chat. C'est horrible et c'est génial à la fois. Ça m'avait marqué. C'était du génie pour moi à l'époque. J'avais adoré faire ça. Mais le jeu, il est extra. Mais j'ai des doutes. Je suis tellement impressionné par la qualité graphique. Alors j'ai tout foutu à fond. Parce que c'est un vieux jeu d'il y a 20 ans. Mon ordi peut le supporter. Mais il m'en met plein la vue. J'ai l'impression que je joue l'opus suivant là. Je sais plus. J'en reviens pas. Je suis émerveillé. Ah oui, alors, faut voilà, que je place bien mes pattes au niveau du petit clavier de jeu. C'est... Waouh! La lampe torche, c'est quoi déjà? Je sais plus. Oui, c'est vrai qu'il est très beau pour un vieux jeu. Ouais, ouais. Bon, ça, c'est mon rappel d'interface. Attends, je crois qu'elle m'a intimé l'ordre de... Ah, c'est ça. D'accord. Ça peut aider. Voilà,
la vache, j'ai mis la luminosité à fond, je vois rien. Oh merde! Mais j'en ai en illimité des fusées de détresse? Apparemment, parce que on est d'accord, j'ai pas de compteur. J'ai le compteur pour les munitions, mais j'ai pas de compteur pour les fusées de détresse. Message de Fun Fan 1992. En fait, tu joues la version de 2010. Ah d'accord! Oh! Alors je vais complètement découvrir. Parce que la scène que je vous ai décrite, c'était la version des années 2000. Alors tant pis, la version des années 2000, je vous la ferai une autre fois. Mais j'ai la chance de l'avoir en version boîte. Et pour l'anecdote, autant vous la dire maintenant. Ouais, c'est pas si vieux que ça. Bah du coup, je vais complètement découvrir avec vous. C'est pas plus mal. La version boîte, je l'ai eue... parce que mon premier stage en entreprise, quand j'étais étudiant en informatique en BTS, j'avais 20 ans, j'avais eu droit à tous les stages sont pas rémunérés. Il n'y a aucun allié dans le secteur. Si tu vois un truc qui bouge, tire. J'ai eu une rémunération pour mon premier stage en informatique et avec ces sous-là, je m'étais... Le major Van Zandt a des problèmes au niveau de la raffinerie. Silence radio. Continuez, on se recontacte plus tard. Oui, je confirme le silence radio, merci. J'avais pu m'offrir le Alien contre Predator des années 2000, plus une édition, la deuxième édition sur PC de Qui veut gagner des millions pour la culture générale. Et je me souviens, je me vois en train d'appeler ma responsable de stage pour la remercier de m'avoir rémunéré. Et je lui avais dit naïvement, j'étais tellement content, je lui avais dit je me suis offert tel ou tel jeu. Et je me souviens, elle m'avait répondu je vous souhaite de gagner plein de millions. Ah, c'était mignon. D'ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, ma responsable de stage de l'époque, et depuis, je pense que ça doit faire 10 ans déjà qu'elle doit être à la retraite. Bref. L'histoire d'une vie. Tirer sur la bombe de gaz pour... Oh oh. À faire comme Dying Light. Eh, je suis proche, là. Ça va me péter à la tronche. Je me barre. Bah merde, alors. Oh. Ça pète ou... Merci. On voit rien. Il y a aussi une version GOG. Ouais, bah c'est bien. Ah, c'est le classique. D'accord. Bah, tant pis si je fais pas dans l'ordre, mais je vous le ferai. Un jour, je serai obligé de vous le faire. Donc, merci de m'avoir expliqué ma confusion. On n'y voit rien. J'ai mis la luminosité à fond. Généralement, c'est ce qu'il faut faire quand vous êtes diffuseur. Pourquoi j'entends des bruits? Oui, j'ai entendu un bruit. Je sens que je vais me faire avoir comme un bleu. Ah, et je suis passé à la lumière artificielle parce que... Attends. Parce que il fait un temps tellement moche dehors que... Voilà. Je sens que je vais me mettre à hurler dès que je vais avoir comme un alien ou je sais pas quoi qui va me mettre le grappin dessus. Je vais rien comprendre. En fait... Je le vois plus comme un jeu d'action, mais je crois comprendre qu'il y a une partie d'horreur. J'en connais qui vont se marrer. Merdoum. Non, mais c'est une blague. Mais il y a des moments où je vais me faire bouffer, je saurais même pas ce qui va m'arriver, quoi. C'est d'un sombre. C'est pire que le Doom des années 2010, là. Merde.
Merde, je peux pas ouvrir les sas. Alors, attendez, tu veux dire le Doom 2? Oui, peut-être, 2005, je sais plus. Évidemment, tu connais mieux que moi, FunFan. Ah, faut peut-être sauter. Pourquoi il a rechargé? J'ai demandé à faire un saut. J'ai pas compris. Ah, c'est vrai que j'ai une alerte dans le menu des touches. Quand j'ai configuré, à un moment, on me disait que j'avais des touches qui se confondaient. On verra. Au fur et à mesure que j'ai des pépins, je pourrais éventuellement régler les touches. Mais normalement, je les ai... Je les ai préconfigurés. Quoi? Non mais on voit que Puik. Ah, action. Oh, il y en a un qui s'est fait bouffer. Il y avait rien à faire là? Non mais c'est plus un jeu d'horreur qu'un jeu d'action là. Faut arrêter la déconnade. Alt gauche action. Je sais plus ce que j'ai programmé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Objectif, essaye d'aller au garage. Oh là là. Une mission difficile, vous avez pas idée. Alt gauche. Ah bah c'est ça. Ou pas. Ah oui, il faut maintenir. Il n'y a rien, c'est un cul-de-sec. Ou alors la bestiole s'est barrée par la ventilation, mais... Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah! Le jeu a crash. Je crois. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Glisse, glisse. Wow, 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 wow. Da-di-da-dou. Je comprends pas tout. C'est noir pas tout. Je crois qu'on a un bug. Mais merde, j'arrive pas à reprendre la main. Vous êtes sérieux, les gens? C'est quoi ce bug? Bah merde! Ah bah non! Oh! Attends, je vais demander task manager. Je suis dans des tâches, ouais. Bah merde, je suis désolé! Minute papillon! Oh, il est plutôt économe, hein. Il prend que 300 mégas en mémoire. On est loin d'un Dying Light qui en bouffe 2 gigas. Oh, bah alors. Bon. Je vais peut-être demander... Je sais pas. On va voir. Je vais dégrader, tant pis pour la qualité, je vais dégrader en direct X. On va voir si ça permet de parer le bug ou pas. Voilà, premier inconvénient de direct. C'est... Bon, pas de bol. Chega. Alors, je sais pas comment dire. Rabalia. Rabalia. Et en espérant que tu aies pas le bug que j'ai eu en plein jeu. Tu me fais peur, là, Jed. Parle pas de malheur. Continuez. Donc, plus possible de jouer et sauvegarde foutue. Bah, si ça devait arriver, ce serait bien triste. Alors là, tu fais bien de me mettre la puce à l'oreille, la Jed, et je t'en remercie. Allez-y bien. Oui, bon, on a déjà vu. Voilà. Éventuellement, que je fasse des sauvegardes manuelles. Quand j'ai fini une session de jeu, je sauvegarde manuellement, histoire que j'ai pas trop à rattraper derrière. Je vais faire comme ça. Merci, la Jed, de l'avertissement. Ah, ce serait dommage, parce que le... Allez, bouge tes fesses. 1, 2, 3, 4. T'as pris un sale coup à la tête pendant le parachutage. Prends un stimulant, t'iras mieux après. Mentos, mentos. Non, je n'ai pas tout quoi. Mon équipe est partie à la hâte.
ont été obligés de t'abandonner. La bonne nouvelle, c'est que t'as échappé à une putain de baston. Ohé, ohé, capitaine, abandonné. Le courant est coupé dans toute la colonie. Utilise ta lampe torche. Ma lampe torche, appuie sur tab. Pour plus de lumière. Mais non, c'est pas ça. Attends, c'est quoi mon tab? Ah, attends. Ok, Marie, tu dois dégager de là. Passe par la cave pour sortir. Je t'envoie l'indicateur d'objectif sur ton tab. Ah, attends, attends, j'ai une lampe torche. Bah merde, comment je l'ai programmée? J'ai pas 50 touches dans le jeu non plus. C'est ça que je comprends pas. Elle a dit tabulation pour... Ah, j'ai un premier conflit de touches. Minute papillon. Ça commence. Je suis désolé. Premier conflit de touches. Je suis le Marines. Objectif qui est en conflit avec la torche. Ah, j'ai deux fois tab, effectivement, ça va pas. Objectif. Ouais, barre d'espace. Voilà. Et je peux avoir sauté barre d'espace. C'est un peu débile. C'est un peu beaucoup débile. On va éviter que ça arrive. Retour, 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 espoir, reprendre la partie. J'ai acheté la version classique 2000 sur GOG. Ah, bah on pourra peut-être se faire du multi un jour, fan. Tu es un influenceur, ouais. Ah, ah, ah. Pas convaincu. Bon, tant pis. De toute façon, à mon avis, la lampe torche, je vais la garder souvent. Il y a aucun allié dans le secteur. Si tu vois un truc qui bouge, tire. Got it in the world. Alors, le paquet de boum boum à faire péter, il est là. Bam bam, allez hop. Oui, tir alternatif. Ah oui, c'est des petites rafales, écoutez, c'est bien. Le major Van Zandt a des problèmes au niveau de la raffinerie. Silence radio. Oui, alors là, je me mine les fesses parce que je suis en terrain déjà connu. Merci pour le tuto. Je sais plus. J'avais pas fait d'escalade, je crois. Oui, voilà. J'étais arrivé là, puis il y avait le coup de la porte à la noix. Voilà. Là, je vais essayer de l'aider. J'arrive trop tard. Il est mort. Oh, quel malheur. Et là, crash. Attention, 3, 2, 1, crash. Voilà. C'est fini. Merde. Ah mais merde. Ouais, comme tu dis. En fait, c'est un interrupteur. Ils sont plantés dans la programmation. Ils ont dit programmer sortie du jeu. Je préfère en rire parce que c'est d'une tristesse quand même. C'est le genre de bug qui te ruine l'immersion. Ah, c'est... Je suis en leurre comme d'hab... Non mais il y a... T'en fais pas là, Rasmoquette. Merci à toi d'être là. Tu fais comme tu l'entends, il n'y a pas de souci. Oh mon Dieu. On est bien content de t'avoir. Non, par contre, là où moi je suis peiné, c'est que je vous présente un jeu finalement qui est méchamment buggé et c'est pas cool. Ça, par contre, bah, c'est ballot. Puis la plateforme, généralement, elle met régulièrement, enfin régulièrement, elle met à jour les jeux dès que c'est possible. Ah non, j'ai dit des bêtises. Là, je suis en train de voir que dans ma mémoire vive, il utilise 1,5 giga et plus 300 mégas. Là, il est devenu boulimique là. Enfin, ça va, j'ai 16 gigas, donc... Mais merdoum. Bon, je vais faire un autre essai. Je vais demander DirectX 11 de manière... voilà. Imposée. Mais s'il replante une troisième fois, on va faire un autre jeu. Hein. C'est vraiment idiot. C'est vraiment idiot.
Je vais pas vous imposer un truc qui bug. Oh, ça c'est quand même couillon comme enfin bref. C'est horrible. Utilise et est. Oui oui oui. Chargement, allez. Allez-y bien. Oui, le vaisseau alien est magnifique. Et puis c'est frustrant le tuto parce qu'évidemment ils vous interdisent de bouger par votre propre chef dès le début. Comme tout est scripté à mort. J'ai cru que je t'avais perdu, petit. Pour vous prendre par la main. Regarde autour de toi. Allez, go. Il veut bouger. Pardon pour le vomitron, mais au moins j'aurais bougé comme ils ont demandé. Au niveau des nids. J'ai pris un sale coup à la tête pendant le parachutage. Prends un stimulant, t'iras mieux après. Papa la papa. J'irai beaucoup mieux lorsqu'il n'y aura plus de bugs. Ah, ça parle mal. Allez, je me suis dopé. Ils ont été obligés de t'abandonner. La bonne nouvelle, c'est que t'as échappé à une putain de baston. Allez, top départ. Le courant est coupé dans toute la colonie. Utilise ta lampe torche. Oui, allez, la fameuse. Merci. Pour plus de lumière, utilise un tube incandescent. Troisième essai, je trouve le moyen encore de me planter dans le... Okay, où est-ce qu'il faut aller. Tu dois dégager de là. Passe par la cave pour sortir. Je t'envoie l'indicateur d'objectif sur ton interface. Ah oui, c'était là-bas. Return of the mech. Il n'y a aucun allié dans le secteur. Si tu vois un truc qui bouge, tire. Ah oui, j'ai eu peur. Là, j'étais en train de me dire, je pouvais même plus tirer, mais c'était le truc qui était complètement scripté. Écoutez, le Major Van Zandt a des problèmes au niveau de la radio. Silence radio. Continuez, on se recontacte plus tard. Bah, alors, je sais pas si c'est dangereux, Christella, de... Au niveau scénario, je parle de passer tout de suite sur une autre campagne. Est-ce que je gâche pas la narration? Genre là, je fais des trucs, tu sais, dans l'ordre du jeu. Mais... Au pire, oui. Je sais pas pourquoi, mais je la sens pas. Je la sens pas. 3, 2, 1... Il fait quoi? Il met merde. Ah. Non, c'est cassé. C'est vraiment très bête. C'est très très bête comme... Ou alors j'ai quelque chose qui va pas dans les options. Il faudra que je... Débusque, que je désamorce le pépin, mais... Oh, c'est vraiment... Oh là là, quelle déception, quoi. Alors... Moi, je veux bien la surprise, comme je vous l'explique, mais en plus, je m'attendais... Vous voyez, je me suis planté de jeu. Je pensais que c'était l'opus précédent, qui lui était, mais alors, parfait. Il était trop bien, le jeu. Oh, bah alors. Merdoum. Bon, bah, je vais faire la campagne suivante, hein, comme vous dites. Predator. Oui, nouvelle partie. Normal. Bon, bah, ça fait une autre intro. Enfin, je crois. Non, c'est toujours la même Monsieur, intro. Nous sommes prêts à commencer. À combien évaluez-vous son âge? Bah, là, il y a la balise, d'accord? Hop, et après. Ah, intro prédatorienne. Oh vache. J'aime bien, au niveau de la coupe, j'ai l'impression d'incarner, pardon, un Rasta. Tu vois le Predator avec un ghetto blaster en mode... c'est du... Du reggae. À la cool. Oh, c'est génial. La police de caractère, elle est extra. Regarde les trois élites pour commencer les épreuves.
Oh merde. T'as reconnu la voix de Vachy dans ton chapeau. Oui, mais j'ai pas le droit de me mouvoir. Oh la vache. Alors je peux donner des coups, mais je peux pas bouger. Voilà. C'est encore pire. C'est horrible. Mais pourquoi c'est bugué? Eh, pardon, je vais pas vous faire subir ça, les copains. Je verrai ça hors antenne, je sais pas quand. Mais je vais choisir un autre jeu, je suis désolé. Ouais, non, mais là, c'est une catastrophe. Je devrais faire une démo technique. C'est la fin de l'entreprise, là. On ferme. Faillite. Oui, c'est dommage, je sais pas pourquoi. Ou alors, il y a un truc dans ma config matérielle et ou logiciel au niveau au système d'exploitation que le jeu n'aime pas. Quoi, je sais pas. Il faudra que je relise, vous savez, les fiches, lisez-moi, les fichiers avec les spécificités techniques. Il y a peut-être un truc, j'ai loupé le coche, j'ai négligé, je suis désolé, et ça a merdé. Qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire mes muses comme un fou en votre compagnie? Ah, souvenez-vous de la bonne surprise qui était Beat Boom. N'hésitez pas à voir hein, en replay sur YouTube, sur ma chaîne, c'est déjà archivé. Ça veut dire juste 3 quarts d'heure, 1 heure, mais il y avait 3 petits niveaux, mais c'était un régal. En mode détente, à un moment j'y ai pensé ce midi, je me demande si j'aurais pas fait un peu comme FunFan l'avait fait jadis sur son antenne, faire du Tropico. Mais Tropico, j'aime bien le 3, vous voyez, dans les... j'ai la chance d'avoir les 4 premiers et j'ai installé que le 3ème. Et la gestion Tropico 3, Baba Cool, gérer sa petite île en tant que dictateur, ça me fait rire, je pense qu'on va faire ça. En plus, la musique dans le jeu, elle détend. On se croirait à Cuba. Franchement, c'est l'idée est là. Mais désolé, hein. Vous voyez, j'ai pas testé davantage le jeu. Je suis désagréablement déçu, mais pas de bol. Bon, bah c'est bien. Là, au moins, je serais... Ouais, le 5 était très drôle. Bah, le 5, je ne l'ai pas acheté, tu vois. Je ne l'ai pas dans ma collection. Mais j'ai fait un peu le 1. Je connais pas du tout le 2. Je connais bien le 3. Le 4, je connais pas non plus. C'est le 3 avec lequel je suis à l'aise. Mais l'avantage du... Ou c'est bizarre qu'il me réinstalle ça. Parce que j'ai... Ah ! C'est vrai que j'ai peut-être pas rejoué depuis que j'ai installé Windows il y a 2-3 ans de ça. C'est vrai. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'y ai pas joué. Mais... Ah non, mais il bug. Marines, la campagne Marines, ça bug. On a voulu commencer celle du Predator et ça bug encore plus vite. Et le jeu crash. Donc, j'essaierai une autre fois. Je suis désolé. Je vais essayer de trouver la solution au pépin technique, la Jed, plus tard. Mais j'ai pas m'acharné dessus. Et je vais me détendre sur du Tropico 3. Je vais faire un truc en roue libre. Et je vais... Bonsoir. Ça, c'est parce que j'ai fermé les volets et qu'il y a un temps pourri dehors. Bonjour, AJ. J'espère que tu vas bien. Ah, t'as ton mercredi après-midi. C'est bien. Je suis en train d'en déduire que... Ça, t'as encore 2 journées d'études avant de t'offrir 15 jours de vacances. Oh là 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 là, il installe de ses trucs. Bon. Voilà. Oui. Jouer. Oh, jouer. Bah. Oui, mais d'accord. Mais c'est pas vrai. Mais je suis maudit.
Bah, l'autre il se lance pas. Oh merde. Bah, j'ai la poisse, qu'est-ce qui m'arrive? J'espère que j'ai pas une merdouille sur l'ordi, là. Il y a un truc que j'ai cassé ou quoi? Oh là 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 là. Quoi, 14h46, c'est le soir bien... Oui, bien évidemment, oui. Moque-toi, va. C'est malin. Je suis dispo pour jouer si jamais. Eh ben, tu fais bien de te manifester maintenant. Parce que là, je ne rencontre que des déconvenus. C'est le bazar depuis 45 minutes. J'ai une envie de mini-golf. Ceux qui sont prêts à me rejoindre, j'ai une envie de mini-golf. J'ai envie de faire du golf around. Alors, je vais déclarer golf around. J'espère qu'il va pas crasher. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez voir le beau dragon jaune. C'est Dragon Sky qui l'a. Ah mince, c'est pas indiqué. Ah, c'est parce que... Torota, en fait, pour vous le dire. Torota, il l'a acheté. Il m'a mis dans la confidence qu'il l'a acheté. En murmurant, vive les jeux sur console. Bah oui, ça a ses avantages au niveau stabilité. Mais non, là, je suis désolé. Là, c'est un bazar pas possible. L'homme qui tombe à Fex, c'est moi, en fait. C'est pas l'acteur de la série. Ouais, c'est ça. Breaking news, oui. Mais Torota nous rejoindra aussi dans le Golf Around. C'est cool, on va se retrouver à 6-7 dessus. Alors, Minute Papillon. Je refais nouvelle déclaration Twitch, un autre jeu. Aïe, 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 aïe. Du coup, bah, je vais ouvrir ma vocale. On va pouvoir bavarder entre vous. Vous allez pouvoir faire les foufou avec les sons. Vous allez être contents. Ah, puis je vais avoir plaisir de bavarder oralement avec vous. Parce que le chat, c'est bien, mais la vocale, c'est mieux. C'est surtout que c'est plus confortable. Alors, je réfléchis, j'essaie de ne pas faire des bêtises. Bonjour, oui, quelqu'un vient d'arriver. Sors crack, Ali. Ah oui, Kali, bonjour, j'espère que ça va bien. Du coup, de te voir en rose, pour tout avouer, je t'ai confondu avec Lars Moquette, qui est en sous-marin. Elle nous écoute en mode radio, mais elle est occupée à faire d'autres choses. Je vais ouvrir ma vocale Discord. Bougez pas. Je vais me déclarer en direct Twitch. Voilà, pour ceux qui veulent rejoindre, bavarder. Et puis, vous savez que j'ai les sons. Je fais partie des serveurs sélectionnés à une expérimentation d'une nouvelle fonctionnalité sous Discord que sont le pupitre des sons pour égayer les vocales. Et FunFan l'avait découvert ce dimanche. Alors, même moi, j'étais même pas au courant que j'avais ça. Vous allez pouvoir faire Mumus parce que sur les 8 sons gratos, j'ai injecté les miens en plus des 5 communs à tous les serveurs. Alors, et je suis pas non plus Kali mort de rire décidément aujourd'hui. Bah, pardon, mais je lis Kali dans le pseudo. Comment dois-je dire? Je dois dire Zoshra, si je prononce bien Zoshra. Alors, je vais héberger la partie. Nom de la salle, bon, on va faire LSDN. Hein. Paramètres. Ah, j'ai peut-être pas mis de mot de passe. Dangereux. Enfin, dangereux. Non, eh oh, on est baba cool. Temps par manche, 5 minutes. 12. Non, plus. Je sais pas. Allez, 30. Ok. Bon, je sais même pas si j'ai mis un mot de passe. Ou alors c'est le mot de passe par défaut. Ah! Mais non, mais si t'héberges Edge, en fait. Oui, on peut faire des maps de la communauté. C'est toi qui les as, Edge. Non, Edge, s'il te plaît. Tu peux héberger le serveur de jeu. Et puis on va jouer sur les cartes internationales. Surtout, pardon, comme tu une scène. Et au boulot, il pourra pas nous rejoindre. Et tu une scène à l'ordinateur le moins puissant, qui fait qu'avec lui, on ne peut que jouer avec les cartes incluses dans le jeu. Là, j'aimerais en profiter pour faire les cartes internationales. La communauté de joueurs, ce serait bien. Donc s'il te plaît, ouais, Edge, tu me dis quand t'es prêt. Merci, Edge.
Je te laisse mettre en place paisiblement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je suis Socra. Ah, c'est Socra, ça se prononce Socra, merci. Au moins que je sois à l'aise et que je sache. Socra, Socra. Faut que je mémorise pour les prochaines fois que tu reviennes. Socra, Socra. Socrate, c'est pas moi non plus. Ouais. C'est bien, ça nous fait des vacances. Oh, fun. Ça parle mal. Oui, t'as dormi que 4 heures aujourd'hui. Non, mais je comprends ton association d'idées, fun. J'aurais pu commettre la même erreur, honnêtement. Mais c'est Socrate. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération. Le pire, c'est moi qui ai enregistré ce son quand j'avais testé la qualité de mon micro en versant une mousse dans mon mug à l'époque, juste pour voir. Enfin, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. il n'y a pas 6 mois de ça. Et c'est vrai que le son, il est extra. Je suis content d'avoir... Merci à Zex de Citron, que je salue. Zex de Citron, c'est lui qui m'a conseillé le micro que j'ai matériellement. Ça y est, c'est parti. C'est parti pour les sons. Allez. C'est le bordel. Je vous demande de vous arrêter. Non, laissez-le. Non. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous. Ah. T'as levé le son du bébé Baba Yaga. C'est dommage. Alors, c'était pas un bébé. Oui, ça faisait penser à un bébé. Mais en fait, le pire, c'est que c'était une jeune femme qui faisait Yada, Yada, Yada. Mais pff, ouais, je crois que c'était un peu cucul à praline et pas vraiment intérêt. Alors que tu vois les sons que j'ai injectés, tu peux donner ton humeur à travers le son. J'ai trouvé ça plus pertinent. Donc j'ai pris un malin plaisir à préparer le « Je vous demande de vous arrêter, taisez-vous ». Vous aurez reconnu successivement l'homme politique Balladur, Édouard Balladur, avec la célèbre séquence où il s'agaçait auprès de son public par rapport au résultat de la présidentielle et son public qui se mettait à huer et disait « Je vous demande de vous arrêter ». Il avait parfaitement raison d'ailleurs. Et le philosophe Alain Finkielkraut qui s'était agacé sur un plateau de télé et s'est resté là aussi célèbre de le son « Ah, taisez-vous !» Voilà. Et ça, c'est mon rire, un de mes rires de fou furieux. Voilà, c'est cadeau. C'est bizarre, les sons Discord, ils marchent pas. Il n'y a que les tiens. Ah, bah, comme c'est une fonction expérimentale... ouais. Tu vois, ils sont en train de bidouiller, donc il faut s'attendre à peu près à tout et à rien, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a là, Razmoquette? Tu vous êtes posé une question? N'hésite pas à poser ta question, je te répondrai avec plaisir. C'est dommage, on sent que le son sature. J'ai essayé de nettoyer le son en édition audio et j'ai merdé. On entend un grésillement, c'est pas cool. Faudrait que je retravaille le son, vous voyez. Je l'entends maintenant à l'écouteur, c'est pas top. Il y a un problème avec les noms ou c'est mes oreilles qui déconnent? Oui, Finkielkraut, merci. J'ai écorché son nom, pardon. Ouais. Même moi, je sais pas dire son nom, je dis Alain Crotte, c'est plus rigolo. Oh. Surtout que j'ai pas beaucoup de respect pour lui, enfin, il a des raisonnements des fois un peu bizarres, un peu controversés. Mmh. Oui, tu partages pas. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il dit certaines choses sensées et d'autres qui ne sont pas acceptables, mais sous prétexte que c'est un intellectuel et que nous, on n'a pas le niveau pour comprendre, on est des cons. Donc, ça m'énerve. Mmh. Cette façon de se réfugier sous cette façon de dire ah, moi, je suis pas à vous, hein, mais c'est vous qui avez mal compris et qui avez mal interprété ce que je voulais dire, alors que c'était tout à fait ça. Mmh. Un peu comme DHL, c'est un peu les mêmes. Hein. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je comprends, il y a quelque chose qui fait méprisant. Alors, attendez, pardon, je lis dans le chat. La race moquette, qui est ton spectateur préféré? Attention à ta réponse. Moi? Bah. Non, moi, je suis pas spectateur, je suis modérateur. Bah voilà, c'est-à-dire tu t'élèves au-dessus de la mêlée, donc j'aurais pas pu te citer de toute façon. Ah, c'est terrible de dire quel est ton spectateur favori. J'ai lancé la salle. Merci, Edge, je vais rafraîchir. Golf autour. Ah, bien. T'as fait ça comme un chef. Je trouve que c'est vraiment une question bizarre. Honnêtement, même si on me l'a posé, moi, j'en ai pas. Moi, je suis content d'en avoir un, alors. Préférence. Bon. Par contre, tu me prépares à Docteur Boutique. Je m'en fous des arnaques.
Ils changent pas de pseudo tous les mois. Mais là, je suis en train de réfléchir. Hein. Je suis en train de repasser tous mes spectateurs les plus fidèles. Je peux pas dire que j'ai de spectateurs favoris. Merci, la race moquette. Là, tu m'as posé une colle parce que j'ai envie de dire. Moi, là, je suis en train de me dire, il y a petit genou qui est adorable, qui me manque. Gabriel, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Et Gabriel, par exemple, toi, j'aimais beaucoup. Il était enjoué, il était spontané, et sympa, il passait dire bonjour et tout. J'espère qu'il va bien d'ailleurs. Là, tu vois, j'aurais une pensée pour Gabriel parmi mes spectateurs que j'aime particulièrement. Je sais plus en quelle classe il était, mais peut-être qu'il a beaucoup de devoirs et compagnie. Mmh. C'est la fin d'année, et à mon avis, il est plus full sur les devoirs que Twitch. Normal, il y a rien. Oui, c'est pas plus mal. Non, c'est fort probable. T'as sûrement raison, FunFan. En attente de l'autre. Tu peux lancer, j'allais dire Gabriel. LJ, pardon. Qui a l'air assez drôle et qui peut être marrant. En fait, je peux changer la forme de la balle. Je peux mettre standard, mais aussi d'autres formes. Donc, est-ce que tu veux tester? Oui, pourquoi pas. N'hésite pas à faire des fantaisies. Pardon, il y a un bruit bizarre dans mon quartier. Ah, c'est un avion de ligne qui passe. Parce que j'ai fermé les volets à cause du temps pourri, c'est déprimant. Donc, du coup, je suis intrigué quand j'entends un son, surtout volet fermé. C'est pas normal. Socrate, le principal, c'est quand tu peux passer, tu passes quand tu peux. Mmh. Oui. Chacun fait comme il peut sur Twitch. Hein. Non, c'est surtout la règle numéro 1, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Ne vous contraignez pas à faire quelque chose. Que vous soyez diffuseur ou spectateur, moi j'ai dit la règle numéro 1, c'est qu'il faut que ce soit du plaisir. Ah, si tu savais. Aïe, ça me fait mal. Le nombre de personnes à qui en réalité je mets un flingue et je leur dis si ce jour-là vous n'avez pas chez le sign, vous êtes banni à vie. Oh, manquerait plus que ça, quelle horreur. J'ai vu une fois Christella, Bastos, j'aurais tous fait. Sauf Anash, lui je peux pas, on est confrères, on se menace pas. Mm. Non, je vais faire personne et je le ferai jamais. Alors j'ai peut-être oublié un paramètre. J'aime bien quand tu dis ça. Attends. Oublié un paramètre, il faut que j'essaye. Je vais augmenter ta voix sur Discord parce que je t'entends pas assez fort. Oui, va falloir redémarrer, j'ai oublié un paramètre. C'est ah merde, force. D'accord, attends. On peut quitter. Ouais, d'accord. Non mais j'attendrai ton signal. Ça arrive. De toute façon, c'est bien. Le jeu a la richesse d'avoir pas mal d'options. C'est sympa. Reparle un petit coup, s'il te plaît, FunFan, que je calibre vos voix. Et moi, FunFan, le modérateur. C'est bon. Edger, reparle voir un petit coup. En fait, le paramètre que j'ai oublié, c'est activer le saut. Ah, effectivement. C'est emmerdant. C'est bon ? Je peux cliquer ? Oui, vas-y. D'accord. Je suis en train de mettre les paramètres. Ça, c'est bon. Non, parce que je suis invité à me connecter. Hein. Ton serveur est re... D'accord, ouais. Oui, vas-y. Alors, attendez, pardon, je lis Sokra. Tout à fait d'accord avec ton collègue, non, en fait, pas du tout d'accord avec ton. Quoi ? Avec un débile qui a juste accès à la télévision. Enfin, bref, son agacement de taisez-vous, je voulais absolument le reprendre pour le son. Ah, donc, voilà. On a complètement dévié dans la conversation. Alors, je suis peut-être pas un spectateur récurrent, mais on se croise souvent. Oui, mais c'est cool. Sur les Bibi ou le... Alors Nitro, je le fais pas encore. Il y a Twinsen qui m'a essayé de m'influencer. Et il n'est pas au point, le Nitro, avec les tutures. Il y a des bugs de caméra, il y a des bugs tout court. Je vais attendre qu'il sorte déjà de sa bêta, qu'il ait plus de contenu et moins de bugs. Et là, peut-être que déjà, je m'intéresserai à Nitro en tant que joueur, pas simple spectateur. Éventuellement, un jour viendra, je le proposerai peut-être sur mon antenne. Mais on n'y est pas encore. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai donné des années, c'est fini. Je viens de sortir, c'est normal, mais reste jouable avec le site. Oui. Ah mon dieu, c'est parti pour le Go Golf.
Ah oui, merde, bon, le saut. C'est un cube. C'est l'œil de la paix, oui, cube. Bon, bah, vu que le jeu fonctionne, je reviens, j'ai un petit truc à faire. Fais. Y'a pas de soucis, bien sûr. C'est beau. Brap. Oui, nous jouons avec un cube. Alors moi, au début, j'avais peur que le cube roule et ne glisse pas. Mais ça va encore. Il y a un effet glaçon naturel. Oui, mais sinon, il ne l'aurait pas proposé. Et il n'y a que les traînées disponibles, il n'y a pas les chapeaux. Ça, c'est dommage. Mais bon, ça arrive, c'est pas grave. Mais je stresse un peu par rapport à mon ordi. J'espère que c'est pas de mauvais augure et que j'ai pas un jeu de bibliothèque d'instruction corrompu pour les jeux vidéo, du genre DirectX par exemple. Parce que le fait d'avoir deux jeux qui crashent comme ça, c'est pas rassurant. La physique du cube a l'air un peu spéciale parce qu'il va jamais tout droit en fait. Et il s'arrête net et il va jamais tout droit. Oui, c'est gaguesque, c'est... Ah, c'est particulier. Ah oui, il faut éviter les décélérations. Je suis pas dans l'axe. Putain, c'est moche. Ah oui, non, mais avec le cube, c'est dangereux. Ah oui, il dévie de trajectoire à la fin. Bah ça, c'est bien que la physique change. Ouh. J'étais sur la tranche. Je suis dessus en ce moment. Alors attendez, il faut que j'arrive à vous suivre. Je suis dessus en ce moment, même pour finir mon passe des troncs. Termine dans quelques jours. Ah. Pardon. Oh merde, je suis dans le fossé. Attends, pardon, la race moquette, je vais te lire juste après. Hop là. Chocolat de Pâques. Oh, c'est beau. Ah merde. C'est juste l'enfer, ton truc. Attends, je crois que j'ai compris la physique. Oh oui, j'ai compris. Eh ben, pas moi. En fait, je suis arrivé. Pour éviter qu'il change de trajectoire, faut essayer de pas bouger la caméra, je crois. Mais je suis pas sûr. Parce qu'en fait, j'ai bougé la caméra et ça a bougé en même temps. Mais je suis vraiment pas sûr. J'aime bien la rose moquette. Ah oui, mince, il faut pas tomber dans le... Ok. Oh, le... C'est O-N. Okay. Non, mais non. Oui, bah non. Oh, il me l'a validé, ce con. Vous avez vu? J'ai validé en passant sous le trou. Ah bah elle est bonne, celle-là. Ah bah elle est pas mal. Jump. Wesh. Qu'est-ce que c'est? Bug de conception du nid. Oh putain, c'est dur. Jump. Jump. Slide. Slide. Jump. Slide. Jump. Voilà. Alors, comme on joue dans un mode de jeu excentrique, Edge, tu sauras qu'il y a des bugs, du coup. Oui. Là, j'arrive à faire des choses que je suis pas censé... Enfin, je devrais être sanctionné, normalement, et ça passe crème, comme tu le dirais si bien. Je me suis permise de clip. Ah non, mais non seulement tu t'es permise, mais tu es invité à le faire, et je t'en remercie. C'est apprécié, puisque tous les clips que vous faites sont compilés. Je fais une compilation qui dure en moyenne une heure tous les trimestres. J'ai un débit d'ânerie tellement élevé que j'arrive à vous faire en moyenne une heure de meilleurs moments tous les trois mois. C'est vous dire. Merci, la race moquette. Merci. Bah merde, j'y arrive plus. Ah, sur tel, c'est pas facile. Bah au pire, je me permettrai de te corriger. Je devinerai le moment que tu auras voulu immortaliser. Et si t'as merdé, je me permettrai d'en refaire un. Mais j'aurai plaisir à te nommer dans le générique. Pour avoir J'aurais peut-être pas pu mettre la figue du cube, moi. Oui, je vois que t'es en galère, du coup, ça change un peu de moi. Ça me réconforte, c'est moche, mais... J'aime ta solidarité dans la détresse. Mais c'est horrible. Je sais pas. Donc, mais ça saute pas. J'en conclue que j'ai eu la chance du débutant, en fait, sur cette piste.
Mais... Ça marche bien. T'as le droit jusqu'à 30 coups. Mais justement, hein, j'aime pas hein, ça. Heureusement que je suis pas monté jusqu'à 100. 3 heures plus tard. Ouch. C'est n'importe quoi. D'accord, tu sautes quand tu veux. Hein. Génial. La physique a tout fait bugger. Super, allez. Alors j'en ai une pas mal à vous raconter. C'est pas la première jamais fois que je fais ça. Je vous raconte un truc. J'ai une araignée littéralement qui vient de descendre du plafond. Et je viens de le voir pourquoi, parce qu'elle est passée devant mon écran de télé. J'ai une araignée qui est en train de tisser sa toile. Alors ça, c'est le coup d'avoir aéré ces dernières 24 heures. La pauvre vache, elle a dû se glisser par la fenêtre. Merdoum, va falloir que je la déloge. Bon, là, elle a du sursis tant que je suis en direct Twitch. Mais tout à l'heure, quand je ferai un relais de chaîne à Christella, je vais la poursuivre et je vais la chasser, la vilaine. À Trouduc. J'aurais déjà crié. Non, faut pas crier. Surtout que c'est dommage qu'elles soient impopulaires, les araignées. Alors, tu vas pester EJ parce que je sais que t'es arachnophobe. Mais les araignées sont des créatures incroyables. Et puis, elles sont là depuis des millions d'années, que je sache. Ce qui est dingue dans les spécificités des araignées, c'est qu'il faut savoir que dans leur abdomen, quelle que soit la sous-espèce à laquelle elles appartiennent, je crois qu'il y en a près de 600 dans le monde, je crois, des espèces d'araignées. Bref. Ouais, 600 de trop. Hein. Ouais. Elles ont 4 glandes dans l'abdomen. Elles ont toutes 4 glandes. C'est propre, c'est commun à toute l'espèce. Et en fait, en fonction des glandes qu'elles sollicitent dans leur abdomen, leur fil qu'elles tissent, évidemment, qu'elles éjectent de leur arrière-train, pardon, hein, c'est l'abdomen, le fil a une fonctionnalité et des qualités physiques différentes. Il y a le gluant pour capturer les proies, il y a le solide pour quand elles se pendent, justement comme elles viennent de le faire, là, du plafond, le plus solide pour faire une descente en rappel. C'est magnifique quand on s'y intéresse. La nature a tout inventé avant nous. Hein. C'est absolument génial. J'imagine bien l'araignée faire une descente au rappel là, sur un immeuble et hop là, hop là. Bah oui, mais ça en arrive plus que tu ne le crois. Non, franchement, c'est... J'ai beaucoup d'admiration pour cette créature. Alors c'est représenté comme créature de cauchemar parce qu'elle a plusieurs paires d'yeux, machin et tout, c'est vrai que c'est pas commun dans la nature. Mais en attendant, c'est une créature fabuleuse quoi. Elle est tout terrain. Si c'était moins moche, voilà. Ah oui, mais au niveau du côté pratique, les araignées ont une probabilité de survie élevée. C'est des animaux tout terrain qui montent au plafond, qui déjouent la physique. C'est waouh. C'est juste énorme. Ah merde, c'est un saut d'obstacle, j'ai merdé mon truc. Non, c'est pas tout de bavarder sur la nature, mais il faut peut-être que je me concentre sur le jeu. Bon. En fait, j'ai l'impression qu'avec le cube, on met pas la même force. Oui, c'est possible. C'est assez perturbant. M'en sort pas trop mal. Pour peu que je me concentre un minimum. Voilà. Moche, il faut pas entendre. Ce qu'il faut pas entendre. Dit Legend. J'ai de belles photos sur mon YouTube d'ailleurs. Oui, bah qu'il faut que je commente. Un jour arrivera. Je finirai par commenter vos chaînes YouTube, promis. Le pire, c'est que j'y tiens, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Bon, je vais passer par là. Hein. Oh, j'ai réussi à... Ouh. Hop là... Ah, je m'en sors pas trop mal. Oh la vache, le temps qu'il a fallu pour me diser. Le pire, c'est que je m'étais frotté par le passé à l'éditeur de niveau de ce jeu. J'avais commencé à faire un niveau en planche de fakir, le truc que j'adore, et j'ai jamais repris. Non mais le boulot, je n'ose imaginer le nombre d'heures que le gars a passé à modéliser son monde. Respect. Respect. Il fait honneur au jeu. D'ailleurs, c'est con, honnêtement, je devrais être un développeur du jeu. Je ferai le tour des créations du monde entier et j'irai
lâcher mon commentaire sur les pages des créateurs du monde entier pour les remercier d'avoir bossé sur mon jeu, quoi. Parce qu'ils le font vivre, en fait, tout simplement. Je sais pas s'ils le font, mais... Bah, y a un serveur Discord. C'est déjà ça. Ouais, bah oui, ça aide à forger une communauté. J'ai rejoint et c'est comme ça que j'ai les dernières maps, comment dire... j'ai c'est les bien, infos sur les dernières maps. Oh là là. Que mais... la communauté, ils font. Ouais, non, c'est bien, t'es très bien organisé. Merdoum. Oh, merdoum. Non, mais il est dur, le... Ah, oh, mais je... Merci. Oh. Hop là. Oui, on passe d'un navire à l'autre. Magnifique. Chez Manify. Je présume qu'il faille aller par là. Oui. Oh, vache. Ah oui, c'est la folie. Oh. Bon. C'est dommage, ça. C'est moche, oui, tu veux dire. Ah. Bah que tu... Logiquement, c'est possible de le faire directement. Bonjour, Yukine. On ne se moque pas. Par ça, j'espère que tu vas bien. Quel pro du golf, ouais, tu m'étonnes. Oh, oui, j'avais oublié. Oh là là. Magnifique. Ça, c'est beau comme... Oh, merde. C'est beau comme... mise en perspective et en intro de... Oups. De monde. Enfin, de parcours. C'est marrant, quand je vois ça, je pense au premier Far Cry. Ça, où j'ai dû déjà le dire la fois précédente. Serious Sam. Elle a une texture cube, pas facile. Hein. Je me moque jamais des pros. Ouais, bah ouais. Hein? Ok. Ah, on aurait peut-être dû sauter par-dessus pour avoir un bonus trop tard. J'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Toi non plus, visiblement. Ah, non, le mauvais saut. Je me suis éjecté sur le sable. Dans le sable chaud. Et bah, j'y retourne, mais là, c'était plus accident. Bah alors, elle a fini, oui. Attends, du coup, j'avance prudemment parce que je suis plus sûr de rien. Oui. Oui, il valait mieux que je le fasse en deux coups. Oh, 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 ah, oh, j'ai le premier, pas le deuxième. Cochonnerie. Ah bah, au moins je suis bien positionné. Hop là. Hop là. Voilà. Oh, encore une excellente transition. Avec des maisons en lévitation. On nous vend du rêve. Ah. Mr. Bully. What the... Ah, c'est un parcours d'obstacles. Oh la vache. D'accord, il a joué avec les propriétés. Merde. Ah. Cochonnerie. Non. Je suis trop prêt pour avoir le réflexe de sauter. Oh là là. Eh, c'est... Eh. Honnêtement, je m'adresse aux spectateurs, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Ah! Dommage. Je vais sûrement me faire une soirée... Je me vois pas jouer à Minecraft ce soir. Je pense que je vais me faire du Dying Light, que vous verrez juste exclusivement sur ma chaîne YouTube. Je pense que je vais faire un défi, une quarantaine. Là où il y a 3-4 rapaces. Et... Généralement, ça dure 2h, 2h30 pour atteindre les objectifs de la zone de quarantaine. C'est un défi très relevé. Je vais me faire bouffer, je vais me faire sûrement tuer 20 fois en 2 heures, mais... Mais c'est, on va dire, entre guillemets, je le considère comme du contenu bonus et bien pensé du jeu Dying Light. Alors, je viens de comprendre le principe du truc, mais je ne le maîtrise pas. Je vais peut-être trop bourrin, je pense. Je vais trop bourrin. Prends tes 30 coups et puis...
Et merde. Tu prends des réhydraté. Coups et comme ça, voilà. Bonjour Tomouf, bonjour aux arrivants. Oh là là, vous êtes nombreux. Bonjour Tonouf, bonjour Raygold. Il y a du monde, il y a du monde. Oh. Il y a du monde. Je te laisse l'heure que le temps de croquer un truc, je rentre à peine du boulot. Oh là oui, cuiné, bien sûr. Bon appât toi. Mais quel idiot, j'aurais pas dû sauter. C'était le ramequin d'arrivée. Et... Je vais me concentrer, oui. Crotome. Voilà. Oui! Enfin. Oula. Oulala. Oula. Oui. Oh, la poule. Oula, ma poule. Merdoum, ça va pas, je suis en train de m'éjecter hors parcours. Voilà qui est mieux. Ah, double buggé. Ah, t'es toujours dans le circuit. On te regarde maintenant, mon cher EJ. Oh, mais c'est n'importe quoi hein, le nombre de coups là. Ah merde, j'ai loupé le. Hop. Voilà. Et là je pense qu'il faille encore. Hop. C'est ça. Ah. Tu parles d'une position périlleuse. Tu vas voir qu'avec la forme de cube, le parcours va être impossible. Ah, ouf. Une étape intermédiaire. Non, ça va. Oh, c'est beau! Regardez-moi ce final en majesté. Ah. J'ai eu peur quand j'ai vu la trajectoire, mais en fait, c'est totalement maîtrisé. Oh, c'est beau. Oh là là. Oh, le plaisir de voir avec EJ en plus, qui est un retardataire, mais c'est à notre avantage au niveau du spectacle. Génial. L'araignée est en train de repasser sur ma dalle de téléviseur. Alors, elle se paye de ma tête. C'est beau. T'as gagné, mais c'est chanceux. Non, l'autre est... Non, mais c'est bien. Eh, 54. Enfin bon, dans des conditions normales, normalement, il faut le faire. Oui, merci pour les GG. Là, elle se paye de ma tête, l'araignée. Là, elle est posée sur mon... Je serais limite à la prendre et puis à la l'éjecter dehors en ouvrant une fenêtre, mais comme j'ai fermé des volets, je pourrais pas. Merdoum. Phrase mauvaise, perdant, ça. Téléchargement. Ah, je le connais pas celui-là. Mon ordi est en train de le rapatrier sur disque. La terre des mers, la Sealands, 18 trous. Oh là là, c'est bon, je suis prêt, vas-y. Oh. Ah, je suis prêt. Merci pour vos GG. Ça y est, ça se lance. Ah, la trou du clarinier. Oula. Ouh, ça rame. Il y a trop d'éléments graphiques. Mon ordi est en PLS, pas toi? Non, ça va. Il y a des moments où je m'effondre à 10 images secondes, là. Désolé pour le spectacle, mais... Ceci est problématique. Oui, je bouge pas et par moments, je suis à 10 images secondes. C'est... Il y a trop d'éléments dans la carte, ça va pas. Bonjour, Raygold.
Ah ouais, la carte, elle est lourde. Oh là là, c'est pas fluide. C'est la catastrophe. Ah, tu veux changer ? Bah, j'en ai peur parce que... Non, mais c'est le monde qui est beaucoup trop... Il y a trop d'éléments graphiques. Mais c'est bizarre, il y a des moments où j'ai des relents où il arrive à rester fluide, mais ça dure pas longtemps. Et dans la moyenne, je m'effondre autour de 10 images secondes. Là, c'est fluide, je sais pas pourquoi. Et puis quelques secondes plus tard, c'est à nouveau saccadé. Les hasards de l'informatique... Ouais. Oui, bah tu le vois sur le retour ouais, de mon direct, tu m'étonnes. Doucement, ça y est, vous chabillez dans le chat. Dommage. Si tu as supprimé un message, ça m'intéresse ce que tu dis. Mais non, il n'y a pas de message supprimé. Alors là, ça se compte en heures. La richesse du décor. Merde, pardon. J'aurais jamais dû faire un saut. Ah, là j'aurais dû. Ah, je suis pas dans l'axe en fait, c'est pour ça. Je sais même pas si ça vaut le coup d'essayer de passer sur la... Je vais essayer, mais j'y crois pas trop. Ah si. Si, non, c'est bon, ça passe. Je continue de monter mon Lego en attendant. Oh. Ah, à moins que... Peut-être faire un truc... Mmh. Ça va, c'est double plaisir. Pour voir, je vais peut-être sûrement être plus fort au niveau du micro. Hop, voilà. Oula, c'est terrible. Ah, je comprends pas pourquoi ça change autant. Bien comme ça. Merde. Voilà. Plus confortable comme ça. Bah, c'est bien. Mais moi, je vais être obligé de te rabaisser le volume parce que là, du coup, on t'entend trop bien. Mais tu vois, le problème, c'est pour peu que tu vois qu'il y ait des personnes qui s'endorment. Moi, c'est ce que je fais, hein, je vous cache pas. Je m'endors en m'écoutant des vidéos YouTube en mode radio. Et des changements trop abrupts de son, bah, ça me casse le sommeil, quoi. Ça me réveille. Comme s'il y avait une explosion, donc c'est pas cool. Quand je clique, au moment où je vérifie si c'est bon, j'avais envoyé sans faire exprès. Ah, d'accord. Ah, je comprenais plus. Oui, c'est rien, ça, comme maladresse, ça arrive. La balle s'est arrêtée juste devant le trou. Oui, c'est moche. Je te confirme. Alors, attends, du coup, je rebaisse ton son. Je te remets à 80%, parce que sinon, t'es trop fort à la voix. Voilà. Moi, je m'endors en lurk sur des streams, c'est pas mieux. Pff, écoute... Non, mais je comprends. Il y en a qui ont des voix... Il y a un effet psychédélique, c'est-à-dire qu'il y en a qui endorment ou qui surexcitent. Oh, par contre, en parlant de surexcité, je sais pas s'ils diffusent toujours, mais je l'avais découvert il y a quelques années. Furious Jumper. Oh, ce jeune, il doit être malade, pardon de le dire, mais en hyperactivité, c'est pas possible. C'est une pile électrique, ce garçon. Et puis, non seulement il y a le verbe, il y a le phrasé, mais il y a la gestuelle. Et vraiment, il est électrique, il n'arrête pas de bouger. Il est... mais quand il dort, il doit être épuisé. Son corps doit rentrer dans une forme de coma, je sais pas. Mais vraiment, ça m'a... Quand j'ai découvert, il m'avait même littéralement effrayé, quoi. Oh, c'est beau. C'est dur, faut y aller au bon moment. Ouais, trop tard. Je suis mort. Oh la vache. Yes! J'ai réussi.
Je suis dans le circuit. Oh non, il y en a un autre. Oh, deg. Alors attends, j'attends que la nacelle revienne. T'as assez joué à ça. Merdoum. Alors, je sais que j'ai la possibilité du saut, mais... Oh, mais vous avez vu tout ce qui a été modélisé dans ce monde? Je comprends pourquoi ça rame. Mmh. Oui, je te comprends, oui, effectivement, quand tu dis, je regardais... Subnautica en autre, oui, bah oui. Un jour, je me suis endormi sur un direct et il y a une pub à 2h du mat qui a crié dans mon appart. J'ai réveillé en sursaut, bien sûr. Ouais, c'est le risque. Ça, c'est le risque. Alors, justement, c'est là où je précise. C'est là où c'est mieux. En fait, sur YouTube, quand on a des pubs, en général, c'est mieux réglé. C'est moins. Il y a moins d'écart de son comparé à Twitch. Twitch, quand une pub démarre, il y a de quoi sursauter. Alors que je pense que ceux qui diffusent leurs vidéos, qui les déposent sur... c'est malin. Sur YouTube, ils normalisent le son. Donc c'est plus plafonné et il y a moins de risque de se laisser surprendre. Ah, oh c'est beau. Oui, mais voilà quoi. C'est ce que je viens d'expliquer, Lars Moquette. C'est... Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. On demande l'avis de réglisse. Ah. Eh bien. Oui. Ah ça va. J'ai halluciné de ce que j'ai vu comme archive de catch. Oh. Ouais, Brock Lesnar il m'a choqué. Ce qu'il faisait à l'époque, ça se ferait plus aujourd'hui, hein. Ah. Donc c'est une intro pour SmackDown, c'était en 2003, il y a 20 ans. Donc tu vois Brock Lesnar, il arrive, c'est avant qu'il vienne dans le catch, tu vois, donc c'est dans les coulisses. Donc il salue les hommes, il leur serre la main, et il y a une femme, elle s'approche. Et tu sais ce qu'il fait Lesnar? Non. Bon, il la tape pas, je tiens à rassurer. Mais bon, c'est aujourd'hui on le ferait plus. Il prend un stylo, il lui signe un autographe. Au niveau de son pull vers la poitrine, quoi, ça m'a choqué. Ah ouais, c'est, tu dis il y a 20 ans, aujourd'hui je vois n'importe, je vois pas un catcheur faire ça aujourd'hui, hein. Même Brock le refaire, hein. Ça a bien changé. Yes. Ah. Mm. Voilà. Je suis content, j'ai reçu un colis. Ah. C'est un nouveau jeu. Mmh. Ça dépend où tu mets ton nouveau en fait. Ah. Nouveau. Pour faire sur la chaîne. Que je pourrais faire sur la chaîne, oui. Maintenant, nouveau, non, il est très vieux. J'étais même pas né quand il est sorti. Bah, un nouveau jeu pour la chaîne, bien sûr. Ouais, hein. Soyons honnêtes. Non, je crois qu'il sortit en 1998-99. Ah, je connais peut-être. Ouais, peut-être. Je vais juste... Tu le dis. Tu le diras pas, parce que c'est une surprise. Non, non, je le dirai. C'est juste que j'ouvre le colis, j'en ai commandé un autre entre-temps, donc je sais pas lequel des deux va arriver. Mmh. Ah. Normalement, je sais à peu près parce que je n'ai pas commandé pareil, mais je veux être sûr que ce soit ça. Non, mais la carte. La carte est immense. Je n'ose imaginer le nombre d'heures consacrées à la modélisation. Oh, on m'envoie un journal La Provence pour conserver le colis, je vais pouvoir lire les nouvelles. Oui, mais à mon avis, elles sont très fraîches. Bon. Le journal de temps. J'espère que c'est pas de la même époque que le jeu. Mmh. Le cachalot de Méditerranée
ce grand voisin méconnu. D'accord. Ah, du 4 avril. Ah, c'est pas si vieux. Bon, j'ai qu'une page. Hein. Ouais. On ne voit rien. Les lunettes, on n'aura pas comme ça. Ah, ça y est, c'était bien celui-là. Heart of the Dark. Ah, merde. Pardon, je vais me faire avoir. Oui. Ah, c'est malin. Faut passer au même moment que la. Merde, j'étais pas dans l'axe. Con. Un jeu très vieux, mais. Enfin, très vieux avec une courte durée de vie, mais qui est assez longue parce qu'il est très difficile. J'avais la version PC quand j'étais jeune, et là j'ai la version PS1. Mm-hmm. Comme d'hab, je rachète ma jeunesse. Ça a coûté bon bec. Oh. Ouais, je sais, ça j'ai choqué. Ah, ça va. Pardon, je suis complètement absorbé par le parcours de golf qui est waouh. Bon, après ça va. On a coupé le souffle. C'était un jeu PS1, il est un peu cher pour un jeu PS1, mais ça reste correct par rapport à d'autres que j'ai acheté dans le passé. J'ai resté sur une somme raisonnable à deux chiffres. Donc ça va. Mais un peu cher pour ce que c'est. Voilà. Par rapport à d'autres où j'ai des fois dépensé 3 chiffres. Mmh. Oh merde. Oh la vache, il faut se pencher à la verticale pour voir quand y aller. Alors, les nostalgiques, ça leur rappelait. En plus, Heart of Darkness, c'est un jeu français. Mmh. Bon, voilà. Cocorico. Ah bah on peut le dire. Alors voyons, l'état des CD, il a dit que c'était carrément en bon état. En très bon état. On va voir si c'est vrai. Toujours vérifier ça quand vous avez acheté un jeu vidéo. Mmh. On repassera, mais ça devrait le faire avec ma PS3. Mmh. Ouh, il y a une partie qui est rayée, mais après c'est des CD PS1, donc... Le CD1, il a un peu morflé, hein. Mon cher Funfan, dans le chat, on t'invite à redonner la référence du jeu que tu viens d'acquérir, s'il te plaît. Heart of the Darkness. Pour une fois que j'arrive à prononcer un jeu en anglais, ouais. Cœur des ténèbres. Donc je peux lui dire, hein. Bon, l'état des CD, on repassera. Ça m'inquiète un peu. L'espagnol, c'est mieux. Ah non, non, non. Mon espagnol est pire que mon anglais. Je sais pas parler espagnol, j'ai jamais appris. Ah, c'est vrai. Ah, j'allais la dire. Il y a marqué état correct. J'aurais dû faire attention à ce détail. J'aurais dû prendre une version un peu plus chère. Pas plus tard, puis... Alors. Dans ton cas, Funfan, je vais me répéter, mais je n'aurai cesse de le faire parce que l'investissement vaut le coup. Surtout pour ceux qui, comme moi, ont la chance d'avoir beaucoup de CD, DVD. Et moi, comme vous le savez, j'aime bien aussi acheter mes jeux d'occasion. Vous avez malheureusement dans les jeux d'occasion de bien mauvaises surprises. Comprenez que le support est dans un état lamentable. Et je devine d'ailleurs ces personnes peu scrupuleuses de remettre à la vente sans scrupule leur jeu parce qu'ils ne l'ont pas entretenu et que c'est plus lisible dans leur console parce que le disque est rayé, dégueulasse, etc. Donc, si dans certains cas, avec un acharnement certain... Non mais c'est impossible le parcours. Vous parvenez à le rendre à nouveau lisible en vous débarrassant que de la crasse. Oh vache, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Vous avez du bol. Mais pour ce qui est des rayures, le seul moyen de le parer, c'est d'avoir un dispositif de ponçage, lissage. Ça coûte une cinquantaine d'euros. Alors certes, il faut investir. Vous avez des versions mécaniques à 30-40 euros qui sont potables. Et généralement, 50 et plus, la version motorisée à pile ou sur secteur. J'ai la chance de pouvoir m'offrir la version motorisée, donc c'est très agréable. Mais en fait, vous avez des jeux de patins
qui vont polir la surface donnée du CD-DVD Blu-ray, qui est dans un sale état. Et il y a une étape, si vous avez la version Deluxe bien équipée de ce modèle, de ce procédé, vous avez une pâte qui justement s'injecte dans les crevasses de rayures de la galette de polycarbonate qui est un CD-DVD. Et après, généralement, plusieurs passages, vous pouvez récupérer, alors certes pas l'état neuf, mais vous pouvez restaurer le support et il est à nouveau lisible. Et vous n'avez pas idée, avec un seul kit, sans jeter de recharge, parce que les produits sont des recharges au bout d'un moment, évidemment, à racheter. J'essaie de passer comme ça, mais je devrais pas m'acharner, j'y arriverai pas. C'est vicieux, parce que le jeu te suggère que tu peux passer, mais en fait, tu peux pas. C'est un piège. Voilà. Vous n'avez pas idée du nombre de CD-DVD que j'ai pu restaurer. Avec un jeu d'origine de... Toujours nettoyer son CD avec du savon et de l'eau et rien d'autre. Je t'avoue qu'avec du savon, je me suis jamais amusé. Généralement, je prends un chiffon sec. Et pas n'importe quel chiffon, hein. Pas ceux qui ont un gros drammage, parce que sinon vous rayez davantage. Mais les chiffons très, très légers, comme ceux pour les lunettes. Vous avez des chiffons spéciaux, ça c'est bien. Mais sinon, vous prenez les patins et la crème, la substance dont je vous ai parlé, qui font partie des kits de rénovation. Et j'ai fait des miracles avec. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que dans l'état initial déplorable du support, vous dites c'est peine perdue. Et ben, je les ai récupérés. Ou je pose simplement dessus en attendant que ça sèche. Ah oui, Sopalin. Ouais. Alors, idéalement, aussi dans le geste, il est préférable de partir du centre et aller vers l'extérieur du CD quand on le frotte. Par défaut, on est tenté de le faire en spirale ou en cercle. C'est pas que ce soit dommageable, quoique. À force, il faut... Ça a évité. Merde, je suis allé dans le décor comme un ego, pardon. Mais voilà, c'est recommandé, on va dire. Oula, c'est quoi ce son et presque lumière? Enfin, c'est l'inverse. Ce spectacle de lumière sans le son, là. Vache. Non, mais après, on s'étonne que la carte, elle rame. Ok. C'est vraiment ingénieux, hein. Mais alors... La puissance de calcul que ça requiert. Si tu tournes avec le CD sur du sous-palin, c'est comme si tu gravais la gravure et le laser n'arrive plus à lire le CD. Mmh. Sur mon serveur, je t'ai envoyé la vidéo de l'Estar en question. Et à 0.35, j'aimerais savoir si c'était sa femme à l'époque ou si c'était pas sa femme, je sais pas qui c'était. La nana. Je regarderai ça. Non mais c'est pas possible, il y a 2 semaines de boulot à temps plein sur cette carte. Elle est trop riche. Mais c'est ballot, voilà, il faut un ordi surpuissant pour avoir de la fluidité sur la carte. Winsen ne s'est pas fait. Ah bah là, là on l'aurait perdu depuis longtemps. C'est pour ça qu'on fait exprès de faire les cartes de la communauté, on profite malheureusement qu'ils soient pas là pour pouvoir les faire. Ça permet de renouveler un peu de contenu en direct. Oh la vache. Si ton pote est fan... Ton pote est fan... J'aime bien quand il parle de moi, c'est comme si... Tu peux m'appeler fun fan, hein, au lieu de dire ton pote, ça fait un peu péjoratif. Fun, si vraiment t'es paresseux.
Alors oui, mais celui-là, Alone in the Dark, je le prendrai pas, tout simplement parce que j'ai déjà fait la version de 92, monsieur. J'ai fait l'original, j'ai pas besoin de faire le remake. Mais il y en a beaucoup de jeux Alone in the Dark. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs opus, mais en nombre. Ah oui, c'est une saga qui a eu plusieurs opus. Mais combien en tout? Je serais curieux de savoir, s'il vous plaît. Trois. Dans l'histoire principale, il me semble 4. Ah ouais. Après, il y a eu des... Après, ils se sont perdus. Ils ont passé leur temps à faire des remakes, des remasters, des... Ah bon, d'accord. Mais merde, c'est quoi le subterfuge? J'ai pas compris. T'as réussi à passer l'épreuve, Edge, mais moi je l'ai pas capté. Bah merde. C'est quoi l'astuce? Ouais. Pour moi, le vrai concurrent de Resident Evil est le seul qui peut lui faire l'homme, c'est Silent Hill. Alone in the Dark, ça a des otiques. Silent Hill, ça a quand même eu sa renommée et j'aime beaucoup Silent Hill. Mais après, moi je ne suis pas le genre de personne qui aime jouer à des jeux qui font peur. Déjà dans Route 96, j'entends un bruit, je flippe alors qu'il n'y avait rien. Parce que ça, vient de ce moment. Je sais plus si ça avait été clippé ou pas, mais au pire, c'est toujours là. Mais j'avais fait un flip. Alors, si. Comme dit Tomouf, chiffon microfibre, ouais, pour les CD. Voilà, c'est le chiffon dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Merci de la précision, Tomouf. Un microfibre, ouais. Aïe, je sais pas où c'est. Ah merde, quel idiot. Pff, fallait que je me retourne. Ah bah, j'ai eu du bol, tiens, dans mes âneries. Oh vache. Oh là là, on peut le dire, je perds la boule. Mais c'est pas possible. Bah merci d'avoir joué. Merci d'avoir modélisé un parcours de fou furieux là. Non mais sérieux, il y a deux semaines à temps plein de boulot là. J'en reviens pas. Bon, GG à toi et Jay, mais mais non, tu l'as pas vexé. Mais non, on te fait un clin d'œil. Oui, c'est pas grave, c'est qu'il est occupé à autre chose ou il a eu un appel. Ça, c'est à sa discrétion et pudiquement il coupe le micro. Non, non, j'ai pas coupé le micro, c'est juste que je voulais pas te couper la parole. Merci. Et fun fan, hein, le gars qui t'a fait un clin d'œil, c'est. Elle est Gilles Céleste. Ah. Expliquer aux gens que je prends bien et je sais pas, j'ai l'impression que je suis quelqu'un de trop sérieux et qui prend toujours tout au premier degré. Mmh. Bon. Elle est un peu bon. On va dire que j'ai eu pire comme boîte de test, hein, franchement. Elles avaient leur charme, ces boîtes. Mmh. Ouais. Je le retrouve même pas dans les boîtes PS2. Il parle peu. Même les boîtes PS2, il y a suffisamment de volume dedans. Souvent, je rajoute des trucs dedans. C'est pour ranger tout connement. Parce que ça protège. Hein. Elles font bien leur boulot au niveau impact, les boîtes de PS1, PS2. Surtout PS2. Bah, déjà, je suis pas le streamer et je joue pas. Et secondo, je parle par période. Il y a des périodes où j'ai besoin de parler, il y a d'autres périodes où j'en ai pas besoin. Hein. Après, hier, je fais un big stream où j'ai beaucoup parlé. Il faut qu'on reprenne un peu ma voix. Le petit EJ est demandé à l'accueil. S'il vous plaît. Ma mince. Non, l'autre. Il est en train de boire un coup. T'as raison. Ça existe les boîtes de série S. C'est pas une console dématérialisée. Si, c'est la X qui est... Donc c'est bien du troll. Mmh.
Oh, mais le jeu, je l'essayerai tout à l'heure, là, là c'est trop tard, là, j'ai pas le temps. Là, c'est beau, c'est simple et c'est fluide. Il y a des jours où il y a des soirs, t'as l'impression, tu dois être le seul, mais bon. Oui. Tu dis, je sais pas, tu fais un truc et tu regardes à nouveau la pendule, il s'est passé 15 minutes, tu fais, ah, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé à peine 2 minutes. De pas avoir confiance du tout. Alors, ce qui est bon dans ton constat, Fun Fan, c'est qu'en fait, ces moments-là, en général, c'est des bons moments. C'est ça qui est beau. C'est que t'es dans le confort, t'es bien, t'es à l'aise, c'est beau, c'est bien, il faut essayer d'en avoir un maximum dans sa vie. C'est un heureux constat, finalement, quand on y réfléchit, même si on sait s'effrayer par la course effrénée, inaltérable du temps. Et encore, Socrate, ou Socrate, Akali, t'en sors bien. Si tu m'avais dit, je collectionne les boîtes de Steam, là, j'aurais viré ton message, hein. Non. Ah là, je ne peux pas accepter cette provocation. Quoique, on pourrait dire que les boîtes ont été Steam, puisqu'elles te menaient vers leur truc. Ah, c'est une réflexion. Canaillou de petit Edge. J'ai mis un compte à rebours. Il a coupé son micro. Oui. Il est dans un environnement bruyant. Voilà, c'est pour dire ses secrets mystérieux de ce qui se passe chez lui, c'est à sa discrétion. Et là, il s'en moque. Voyez, j'ai bien fait de mettre ses sons. T'interprètes des trucs selon les humeurs. En même temps, Oh merde! J'étais parti me chercher quelque chose à la boîte. C'est pour ça que je. Merde! Pardon. J'étais trop timoré. Vous êtes fou, dit Laras Moquette. Alors, elle dit quoi? J'ai quelques jeux PSP avec console, jeux PlayStation 3 à console et j'ai ma Game Boy Pocket avec un jeu dedans, mais je me rappelle plus lequel. Socrate dit, mais aujourd'hui, je préfère le dématérialiser, ça prend moins de place en général, ça prend pas beaucoup de temps de télécharger. Ouais, bah ouais. Ah, ça a ses avantages, ses inconvénients. Et là, pour ce qui est du parcours du golf, comme Edge, je l'ai dans les dents. On a merdé. Bah, pourquoi je suis pas réinitialisé? Ouais, c'est bizarre, c'est peut-être un bug. Je le crains. Je le crains, je le crains, je le crains. Merde, puis j'arrive plus à m'éjecter. Attends, F1 aide. Je crois que c'est R pour réinitialiser la baballe. Ouais. Reste appuyé sur R, J. Ouais. Ça coûte un coup, c'est pas grave. Oui, il vaut mieux ça que planter le parcours. Ça arrive, malheureusement. Merdoum. Oh. Ah! Ça dépend merde. Où tu prends ton démat. Si tu le prends sur PC, à la limite, pourquoi pas? Parce que le PC, il y a plusieurs plateformes, tu as souvent des réductions. Et sur console, le démat, c'est cher, ils ont leur monopole. Ils vont bien avoir le physique. Hein. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Il est excellemment bien pensé et poétique, ce parcours. Merde, pas assez fort. Hop, on retourne voir le contrebas. Non, c'est vicieux, c'est dégueulasse. Ce qui vient de m'arriver. Moi, je continue mon Lego tranquillement. Oui, nargue-moi, moque-toi, va, c'est moche. Non.
ça me permet d'avancer parce que c'est un modèle qui est particulièrement long, donc voilà. Merde, mais j'y arrive pas en plus, hein. Bordel. Ah mais vas-y, je fais mon Lego. Ouais. Je vous demande de vous arrêter. Non, laissez-le. Je vous demande de vous arrêter. Excellent. Excellemment bien placé. J'en attendais pas moins de vous. Faudra le placer quand il y a moi et Winston. Non, ou quand il y a Hello et Dill aussi. Ah oui. Ouais. C'est pour revenir au début, ça. Oh, moi et Winston, c'est pas mal. Mais je me suis fait avoir avec ma souris et j'ai malencontreusement cliqué et ça a fait un saut débile. Alors, Socra qui dit, il y a quelques années, je bossais dans un office public d'habitat et je suis rentré dans un appart où le locataire collectionnait des DVD. Je suis resté choqué, tout un appartement rempli de DVD. Je pense que le gars ne pouvait même plus faire le ménage chez lui, ni recevoir tellement que c'était rempli. Ouais, bah ouais. Ah, tout à l'heure, t'as parlé de Sopalin pour le DVD. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas savoir ce qu'ils font du Sopalin. Oh, fun. N'importe quoi. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo entre deux fun fans là de Brock Lesnar et je sais pas qui c'est la madame. D'accord. Je sais pas qui c'est. C'était peut-être une simple fan. Peut-être. Et Mister Kennedy qui filme juste à côté, ça m'a fait rire. Alors, pardon, je vous un témoignage assez cru et une terrible vérité pour certaines personnes. J'ai eu le témoignage d'une, qu'on appelle ça, une aide à domicile, qui m'avait dit une fois, elle était entrée chez le client dans un appart dégueulasse, mais dégueulasse à un point, vous n'avez pas idée. Il y avait de la crasse limite presque au plafond. Et en fait, là où choqué, dès sa première arrivée dans l'appartement, choqué de voir dans quel état épouvantable était le logis, elle a cru qu'elle se ressuyait les pieds en arrivant sur le paillasson, qui était en fait la carcasse séchée du chat qui était mort quelques mois auparavant. C'est vous dire le côté délabrement de certains logis. L'occupant devait être gravement malade, c'est pas possible de... Voilà quoi. Tu te dis comment ça se fait qu'il est pas mort d'une infection ou je sais pas quoi, mais malheureusement ça existe. C'est... Waouh. En effet. C'est choquant. Bah, et puis c'est d'une tristesse. Parce que ça peut sous-entendre plein de trucs. Enfin bref, c'est vraiment triste. Oui, il y a des gens comme ça, malheureusement. Mais ouais, c'est... Enfin, moi, je le vois d'un point de vue de la détresse humaine, c'est... Enfin, voilà, c'est... Faut de tout pour faire un monde. Mais c'est vrai que par moments, c'est d'un sinistre. Ah là là. Il y a l'inverse aussi, hein, on peut se dire. Hein. Il y a les paranoïaques du ménage qui passent leur temps à tout astiquer, tout ranger. Et c'est aussi... Enfin, c'est l'inverse, mais c'est tout aussi maladif. C'est une pathologie psychologique, ça. Je sais plus c'est quoi, j'en avais entendu parler. Le fait de vouloir tout désinfecter, tout laver tout le temps. Quand je vous dis qu'environ 60 000 DVD dans un T2, je pense que vous arrivez même pas à vous imaginer ce que ça donne. Oh, 60 000 DVD, oh, la vache, c'est énorme. Non, j'en ai pas autant que ça. Combien de DVD CD je dois avoir, moi? Oh, je dois quand même raisonnablement, même avec ma belle collection de PS2, PS3, je dois être sous la barre des 10 000. Je suis obligatoirement sous 10 000 DVD et CD, j'en ai pas tant que ça.
Mais... Oh, j'irais peut-être 5000. CD, DVD confondus, hein. Ou même les quelques rares Blu-ray que j'ai. Peut-être 5000. Parce qu'informatique, je dois en avoir 1500, 2000, je dirais. Après, il y a les CD de musique. J'ai la chance d'avoir quand même une belle collection en dur. Peut-être pas 1000 CD de musique, faut pas déconner non plus. Mais je dois en avoir peut-être 500. Et encore, j'exagère quand je dis 500. Non. Wow. Enfin, sûr, je suis sous la barre des 10 000. Peut-être même finalement, je suis sous la barre des 5000. Je sais pas. Non, pas 5000 DVD. Je mets tout dans le même panier. C'est-à-dire CD, DVD et Blu-ray. Que ce soit de la musique, des données, des vidéos. Mais ça va vite hein, quand on y pense. Quand on est dans le confort et qu'on est moderne. Voilà, là je viens de vous parler de mes CD de jeux. J'aime bien acheter des jeux de cases, parfois 1 euro pièce, comme je vous l'ai déjà montré à l'antenne. Une misère, ça paye même pas la matière pour avoir créé le boîtier et le support, c'est vous dire. Mais vaut mieux ça que ce soit acheté à la benne et c'est voilà. Au moins le support à X vie. Bref. Et non, ça va assez vite. Hein. Bah, je vous confesserai que j'ai... Elle n'est pas encore, mais on n'en est pas loin, complètement remplie. Je me suis acheté il y a longtemps une mallette à 1000 pochettes DVD. Et là, je dois en avoir 800, je crois. Il me manque le dernier cinquième à graver. Et ma mallette, elle est complète. Rien que ça, déjà, bah, ça fait plus 1000. Voilà, ma discothèque que j'ai la chance d'avoir en dur. Oh, je pense honnêtement, ouais, je suis pas loin des 5000. Mais 60 000, c'est monstrueux. 60 000 dans un appart, comme dit Socra. Dans un T2, effectivement. C'est un appart ou c'est un entrepôt? Bah, moi, oui, ça va vite parce que j'ai au moins 700 livres. Donc ça fait beaucoup. Mmh. Et de tout genre, hein, mais ça fait, c'est vrai que ça fait beaucoup. Oh, j'ai accumulé depuis une dizaine d'années. Ouais, bah ouais. Mmh. Non, ça va vite. Vicieux. Les mecs, il est au moins 18, vous êtes chiant. Bah oui, ma pauvre moquette, mais bon. C'est vrai que ça fait... J'ai envie de te répondre, ça fait partie intégrante de la sexualité masculine. C'est là, en partie, le problème. Ça fait vivre des gens, hein. Sans blague. Oui, alors sans parler de l'aspect mercantile, on va dire de cette faiblesse humaine, si on peut le voir comme ça. Oh, j'ai réussi un coup de maître, sans le vouloir. Coup de bol. Ah bah toi aussi, visiblement. Ah non, tu l'as fait en deux coups. Oh, on est à égalité. Oh, qu'est-ce que j'ai pas vu. sans mauvaise blague, ça fait vivre des gens. Oui, bah oui. Mais du coup, j'ai perdu mon fil rouge et mon propos, je sais plus ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. Et voilà quoi. Non, oui, non, une belle citation que j'aime bien de pudiquement Jacques Brel, le grand Jacques, qui disait il faut bien que le corps exulte. Ça résume bien la, voilà, la problématique hormonale, on va dire, de la gente masculine. La race moquette, il dit vous avez une aubergine à la place du cerveau. Bah, ah, je sais pas quoi te répondre. Oui, c'est pas, je peux pas te donner tort, Razmoquette, mais bon, ça fait partie de la biologie. Mais bon, après, il y a certaines femmes qui assument pas. Hein, c'est pire que les mecs. Mais bon, ça je dis rien. Mais on va pas faire un règlement de compte.
Non, on n'est pas là pour ça, mais voilà, ah, ça dépend dans, des individus. Comme dans toute chose, il y a des exceptions. Quoi. Oui, mais non, là où je voulais revenir sur la culture, on va dire masculine dans les civilisations, je crois que chez les Incas, si tu veux, la masculinité, la sexualité masculine, elle était toujours représentée avec le cerveau qui était lié à la colonne vertébrale et le phallus. Je crois que c'était cette civilisation-là, je peux me tromper. Mais ça m'avait marqué, j'avais vu ça dans un cours d'histoire. Voilà, quand tu dis les garçons pensent avec l'entrejambe, ils ont plus de cerveau, justement, c'est intimement lié. Et voilà, bon. Enfin bon, je ne suis pas sexologue et je ne vais pas surenchérir le propos. Je t'invite à choisir un autre monde virtuel merveilleux, mon cher Edge. J'ai plaisir à faire du mini-golf peinard tranquille. Un cliché. Socra qui dit, le seul DVD dont je suis sûr du titre encore aujourd'hui, c'est le cinquième élément qui était juste à l'entrée. Hein? Oui, c'est un beau film, le cinquième élément. Avec en partie les costumes qui étaient de... J'allais dire Bernard Montiel. N'importe quoi. Mon cerveau qui bug. Et le tome novembre. Mais bien sûr. Jean-Paul Gaultier. Oh ! Les oiseaux de paradis. Le fameux JPG. Les beaux haras. Non, j'aime bien cette musique. Up and down, up and down, up. Et oh, le un coup et j'ai merdé. Était à portée, j'ai merdé. Dommage. Oui, je pense que d'ici une heure, puisqu'il est déjà 16h, je pense que d'ici une heure, on fera relais de chaîne chez Christella. Je pense qu'elle l'avait dit, et merci, Fanfan, tu m'avais donné l'info par rapport à ce qu'elle avait déclaré sur son Twitter, comme quoi elle prenait son antenne à partir de 17h. Non, Twitter, pas son Twitter. Pardon, oui, je... Merci. Bon, ben, je savais pas que t'avais un Twitter, Christella. Oui, j'ai mal articulé, ouais, excusez-moi. Bon. Ouais, bon, je vais pas faire mon Twinsen parce que moi, en stream, combien de fois je. Il y a un mot que je dis mal, mais celle-là était pas mal. Eh bah, tu me le clipperas, Canayux. Oui, bien. Tcha, 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 tcha. Downhill. Oh, descendre la vallée, j'adore ça. On n'arrive pas trop vite ou il va se passer un truc? Ah non. Oh, c'est gentil. Ça en met plein la vue, mais c'est gentil. Eh. Aïe! Pardon. Oui, c'est la version française de Twitter. Alors que je viens de me cogner le coude sur ma table. Bien fait pour ma tronche. Ah! En même temps, je me dis, je suis pas pressé de te faire relais de chaîne, Christella, parce que ce sera pour moi la fin du loisir jusqu'à le dîner, en fait, vers les 20h-21h. Parce que je vais être de corvée de vaisselle. J'ai mes gros ustensiles de cuisine à laver à la main, dont ma couscoussière et mon wok. Et frotti frotta. Mais bon, il faut. Oh merde, j'étais dans le truc mûche. J'y reviens, ne partez pas. T'inquiète pas, on va pas bouger, Socra.
Oula, ouais. Désolé. Les canons sont divertissants. Oui, faut-il encore que je parvienne à le prendre? Je vais vous laisser, je ferai la modération uniquement par téléphone, je vais avoir des témoignages. Ah bah bonne émission télé à toi, t'as bien raison, à tout à l'heure. Merci pour tout, Fun Fan. Okidoki, Meki. Ah, de la bonne bon recyclage du trou. Oh la vache. Boing. Heureux. Alors, oui, celui-là, il m'a l'air d'être technique, ce parcours. Effectivement, tu as bien lu la... Bah, je suis quand même la même erreur que toi. Ouf. Ouf. Ah, on sort bien. Pour Jack, il adore ce merdier. Oui, ça a énervé mon cousin, je vous en avais déjà parlé de ce genre d'arrivée technique en golf, enfin mini-golf. Mais une fois qu'on a compris le truc, mais c'est vrai que ça, bon, techniquement c'est particulier. Juste un petit saut, disent-ils. Oui. Catapultage, oui. Oh bah, c'est gentil. C'est pour nous en mettre plein la vue, là. Là, pour le coup, c'est une belle démonstration technique du moteur du jeu. C'est vrai. Tiens. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai fait d'idiot, j'ai été trop mollasson et... J'ai bêtement perdu un coup que j'aurais pu économiser. Oula. Tout doux ou violent? Ah, il y a une pente. Elle est douce, mais il y a une pente. C'est là où ma bille va mettre 3 heures. Ah non, ça va. Elle se stabilise. À descendre tout l'ensemble. Oh oui, je suis fier de mon coup. Ça valait le coup d'attendre et de bien mesurer le... Ouais. J'étais parti par me faire avoir par l'ombre portée de la nacelle. Plouf. Alors que je voulais pas faire plouf. Je vais avoir la prétention d'atterrir dans la nacelle depuis ce point. Je suis pas peu fier de ma prouesse. Ah, c'est moche. C'est moche de tomber à l'angle. Ah, non, je pensais... Mais, pardon. Je croyais que c'était un plan incurvé, en fait, qu'il y avait un effet siphon. Mais non, c'est parfaitement plat.
Donc j'aurais eu une probabilité faible d'arriver direct dans le... Ok, j'aurais dû y aller bourrin. Ma Pandra est aussi timorée. Une fois de plus, j'aurais perdu un coup bêtement. Vache. Oh. Ouch. Origine. Ça me fait bizarre de voir le fanion d'arriver complètement étiré. Oula. Oh, l'arrivée avec moult poules. Oulalalalala. Oh, j'ai du bol. Oh, j'ai eu du bol. Alors, please rate this map if you like this map found any problem. Or just want to... Quoi? J'arrive pas à tout lire. Another... Ah bah, le truc est parti tout seul. J'ai pas eu le temps de lire. Ou laisser un commentaire, il disait. Oui, c'est sûr que c'est toujours gratifiant pour les créateurs d'avoir un retour de la communauté. Oui, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je me fais mon propre analyse par rapport à mon expérience Twitch. Je sais que je peux tarder à vous répondre, mais en général, je mets devant à personne. Trou en zéro, c'est énorme. Oh bien, on est tous sous le par, on a tous économisé, c'est bien, on a tous les deux bien joué, GG. Yes. Quelque quoi la Ars Moquette, moi curieuse, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas d'autres cartes. Ah bon, bah prends des classiques, vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai perdu mon propos. Mon idée était de parler de, je sais plus. Ah, le château. Et une belle carte aussi. Oui, à tout à l'heure, Christella. Oui, à tout à l'heure. Bonne prise de direct à toi. Je te ferai le relais chaîne avec grand plaisir. Tu disais que quand ça t'intéressait pas, tu mettais des vents. Oui, non, c'est pas ça. Merci, Socra. C'est-à-dire, au niveau gestion communautaire, il m'arrive effectivement de traîner à vous répondre quand vous m'écrivez. Que ce soit... Alors, il faut éviter de me faire des messages sous Steam et sous Twitch. Je suis beaucoup plus familier de Discord et des mails. En général, je vous réponds dans la semaine. Discord et les courriels, je vous réponds dans la semaine. Ça, je pointe régulièrement. Après, les messages privés sous Twitch et sous... Alors, surtout, ne m'écrivez pas sous l'oiseau bleu. Parce que... Depuis que ça a été racheté, là, par... Elon Musk, Twitter... je veux même plus y retourner. Déjà que j'étais pas à l'aise avec la plateforme, j'ai juste programmé pour envoyer ceux que ça intéresse un billet d'information quand je prends mon direct Twitch. Juste voilà. Mais sinon, celui-là, il faut surtout pas m'écrire dans celui-là. Je le consulte jamais. Voilà. Au pire, oui, voilà, un message privé sur Twitch. Mais Twitch encore, j'ai pas trop le réflexe de voir si j'ai un réflexe. Pourquoi? C'est comme je propose le jeu du tableau mystère tous les dimanches, j'ai ficelé mon jeu, vos réponses, elles me sont données via Wisebot. Justement, j'ai un message qui me dit dans mon Twitch que Wisebot m'a envoyé un message. Et le problème, ça me fait autant de fois que vous laissez une proposition de jeu. Donc, je vous laisse imaginer que j'ai 50 alertes par semaine. Et ça me démotive à vérifier, à voir s'il y a un humain qui m'a écrit, en dehors du robot Wisebot. Donc, je vérifie de temps à autre mes messages privés sur Twitch. Mais je vous le dis tout de suite, le problème, c'est qu'il y a une probabilité faible que je regarde régulièrement. Donc, veuillez m'excuser, j'essaie de faire attention à peu près partout. Bah voilà, chacun son truc, tu vois. Ras Moquette, tu dis, Discord, ça t'a gavé. Si tu veux, mais
voilà, chacun son sa crèmerie, chacun son moyen de communication favori. Donc moi, vous saurez que j'aime beaucoup Discord et les courriels, les bons vieux mails. Ça me va très bien. Alors Socrate, tu dis, les gens, vous aurez compris, allez suivre la chaîne Twitter de Pété de Rire. Non, mais je me permets de rappeler que de temps en temps que ça a le mérite d'exister, que j'ai mis ça en place. Si vous, ça vous permet d'être à l'aise pour savoir quand je prends mon antenne, allez-y, c'est fait pour. Mais n'allez pas commettre malheureusement l'erreur d'essayer de me joindre par cette plateforme parce que je ne la consulte plus. Voilà. C'est limite d'ailleurs dans mes commentaires régulièrement, le robot Wisebot est programmé pour vous pondre des pavés sur mon antenne là, pour faire vivre la chaîne et vous donner des conseils de temps à autre. Il faudrait presque que je fasse une phrase exprès à dire ce que je viens de vous expliquer. Ne me contactez pas sous Twitter, c'est foutu. Je m'y connecte plus. Mmh. Comment ça? Tu te fais souvent insulter? Oh. Bah oui, c'est pas joyeux comme expérience, la race moquette. Oh. Oui, c'est triste que tu te fasses insulter. Alors, il y a tellement de plateformes. Avant, c'était simple, tout le monde avait MSN, c'était vachement plus lisible. Bah oui, mais comme il y a... Justement, il y a ça rassemble et... C'est... Voilà, c'est autant de clients sous-sous potentiels, tout le monde s'y met. En fait, encore une fois, le problème, c'est pas les réseaux sociaux, peu importe lequel, en tant que... Voilà, c'est le problème, c'est ce que les gens en font. Très juste. Ouais, ouais. Que le réseau social, il est là, il a été créé pour, voilà, pour discuter, pas pour s'insulter. Mmh. Eh oui, malheureusement... Bah, le dernier exemple dont on parlait brièvement ce matin, là, quand je faisais mon vroom vroom sous Gran Turismo, il y a le coup de la fuite des données sensibles des Américains. Et le Pentagone s'y intéresse de près. Ils essayent d'identifier la fuite, comment ça arrivait pour que ça n'arrive plus. Les 10 documents secrets d'État américains ont été balancés sur le serveur Discord de Minecraft. Voilà, donc... Ah, c'est ça l'histoire. Ouais. Ouais, bah du coup, Discord est bien embarrassé. Ils ont fait un petit communiqué de presse pour dire bah on coopère avec les autorités pour comprendre la source de la fuite et qui c'est qui a balancé les 10 documents secret défense dans le public. Mais en même temps, bah, les créateurs de Discord sont bien enquiquinés, quoi. Ils disent, bah, on est... Voilà. On a eu un détournement de notre plateforme par rapport à son utilité première et ils sont dans l'embarras. Voilà. Malin l'utilisation du toit comme tremplin. Coucou! Ah, il est rentré du boulot! Bonjour, Tunsen, comment ça va? Bah, c'est bien, tu vas être là pour la dernière heure. Je pars du boulot, je suis de recul. Ah, d'accord. Bah, bonne route à toi, sois prudent. En espérant que ça circule bien. Mais 146 km à faire. Oh, mon pauvre. Oh, je te plains. Je sais pas comment tu fais. Hein. On en a déjà parlé, mais moi, je pourrais pas. Hein. Ça me gaverait. Alors, ça fait du bibi. Enfin, du go-golf. C'est ça, du go-golf. Bah, ce que je disais tout à l'heure, on en a profité pour faire plein de parcours, tu sais, de la communauté internationale, puisque t'étais pas là, je t'avais salué en disant que t'étais en train de bosser à cette heure-ci, et qu'avec Edger, on en profitait pour voir les cartes que, malheureusement, tu pouvais pas découvrir avec nous. Bah, un jour, je pourrais les faire, hein, t'inquiète pas. Hein. Oui, j'en c'est doute juste pas. C'est le PC qui queen. Hein. Oui, j'en doute pas, là. Mais pour le moment, tu vois, on a joué des opportunistes, en quelque sorte. Ouais, et puis ça permettait de varier la... Mince, je vais me faire aplatir bêtement. Ça permet de... Mais il me semble que dans ce jeu-là, il y a aussi un éditeur de parcours, il me semble aussi. Oui, je te confirme. Oui, oui. Donc, encore une carte, le sagesque.
Bah, j'avais démarré en faire une, et puis je suis pas allé jusqu'au bout. Je sais même pas si elle est encore dans l'éditeur, là, si j'avais sauvegardé un truc, je sais plus, très honnêtement. Ça fait tellement longtemps que... Ah, bah, je regarderai, tu vois, je regarderai ce soir, la Rase Moquette. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire un message privé. Et là, tu vois, je prendrai le temps de le consulter et de te répondre ce soir. Ok, ok, pas de soucis. Mais tu fais bien de me le notifier, la Rase Moquette, très bien. Ça sent le rendez-vous au secret, ça. Oh, l'autre, tout de suite. Jaloux. Va okay, retrouver la tienne dans les bois. Vlan, allez, prends-toi ça dans les dents. Non, 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 non. Je crois que, alors, je crois qu'en vite, je pense en plus qu'elle habite pas très loin, il me semble. Hein. Je ne sais plus honnêtement. Je me souviens, il y avait Valoche qui aime bien faire les bibis aussi. Valoche, oui, elle était de la Meuse. Elle était comme Dragon Sky, même département. Mmh. Mais la Rase Moquette, je sais plus de quelle région elle est. Mince, pardon. Attendez, pas de la moquette. Oh. T'as envie de te répondre tant qu'elle la fume pas. Ou qu'elle la broute pas. Oh, Normandie. Ah, bah tu vois, la Rase Moquette est du côté d'EJ. Il est normand lui aussi. Comme les vaches. C'est moi. Ah. Oula. C'est bien la Normandie. Comme sur les Chardennes, là, il n'y a pas une chanson là-dessus, là, sur la Normandie. Bah, celle, je sais pas. Ah, le fun van est parti. Il est parti regarder Game One. Ah, ouais, bah oui. Je reviens, il y avait une question dans le chat par rapport à ce que j'ai énoncé, là, les documents américains qui ont fuité sur le Discord officiel de Minecraft. C'était des documents en lien avec le conflit actuel russo-ukrainien, entre autres. J'ai pas lu le détail de l'affaire, mais c'était principalement les documents qui posaient problème. Merdoum. Attends. Merdoum ou merde... Okay. Bah, merdoum, tu sais que j'atténue les gros mots pour que ce soit plus audible en direct. Ouais, mais il y a merde couac aussi. Oui, mais je me faisais avoir par l'astucieuse conception du niveau et je jouais mal, quoi. Voilà pourquoi je pestais. J'ai pas vérifié les scores, mais je soupçonne Edge de me mettre une raclée, là. Je te trouve vachement à ton aise. Bah t'as pas une touche pour... Je crois que c'est F1, je crois, pour afficher les scores, je crois. Tab. Oui, tab, je crois, et là, je vais faire bien en dessous du par. Prétentieux. Genre 7, attends, 51, 52, 53, donc... ouais, 7 coups en dessous du par. Ou peut-être 6, je sais pas, si le jeu est gentil avec moi. Le jeu est gentil avec moi. 7. Regardez-moi ce final. Là, je connais un qui va être tout excité de voir un peu regarder Game One. Peut gagner. Oh, bravo, Edge. <Bravo. rire> Ouh, j'ai un petit coup. Nancy, c'est dans le nord-est. Lorraine, Meurthe-et-Moselle, si tu préfères, Grand Est, de manière générale, secret. Côté Alsace, quoi, par là. Oui, oui, voilà. Pour faire simple. Si ça vous permet de vous localiser sur la carte de France. Oui, bah la deuxième partie du château, ouais. Superbe, bonne idée. Pas vocation à adapter mes horaires en fonction de disponibilité. Le jour où sur le premier classement, tu pourras commencer à... Aïe, aïe, aïe. Bah, non, le Grand Nord, non. Parce que le nord de la France, c'est du côté des ch'tis. Mais, nord-est. Parce que là, sinon, on devient binaire. Hein. Tout à droite de la France, quoi, facile. Ouais. On devient binaire et on... Non, hein, on prend Google Maps, on tape Nancy, puis on regarde où c'est. Hein, voilà. On dit Nord-Sud, France, voilà, en deux parties. Enfin, bon, bref.
Ouais, Kayane est absente de Game One aujourd'hui. Ouais. Oh, il est triste. Oh. Elle est pas revenue de son épopée au Japon. Oh, bah, il doit être malheureux, dis donc. Ouh là 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 là. Ouh là, pour Socra, le Nord commence à Narbonne et ses environs. Vu comme ça. Attention, il y a Nord et Nord, hein. Mm. C'est vague. C'est comme Sud et Sud, hein. Bref, j'irai pas surenchérir ce débat-là. Quitte ce voir de regarder Game One et Game One en Asa. Quoi? Aïe aïe aïe. Alors, j'ai vu tout à l'heure, t'avais fait Alien vs Predator. Ouais, mais énorme déception parce que j'ai eu que des bugs. En plus, la version que j'ai acquise était pas celle à laquelle je croyais. Que j'ai en version boîte. On m'a expliqué que moi j'avais acquis la version de l'an 2000 et que celle que j'avais lancée sur mon direct était celle de 2005. Le problème, c'est qu'elle est archi buggée. Mmh. J'ai démarré le tuto en tant qu'humain, là, les Marines. À un moment, je baisse un levier, ça crache. Et le pire, c'est quand j'ai voulu faire la campagne du Predator. Dès la première minute du tutoriel, il suffit que je regarde à un certain moment un personnage, parce que le tutoriel t'invite en fait message à te mettre à ton aise avec Boutique la caméra. 11. Et ça crache. D'un côté, tu as pris la version Steam normale, que ça bug, oui, je troll. C'est quoi, c'est ton ordi ou c'est le jeu en général? J'arrive pas à savoir. Moi, ce que je pressens du crash, c'est que je vais avoir quelque chose de corrompu dans mes bibliothèques, peut-être DirectX, qui fait que le jeu merdouille. Il va falloir que je regarde, tu sais, la fiche technique, le célèbre fichier README, lisez-moi. Et je vais possiblement voir une condition de bon fonctionnement du jeu que je n'ai pas remplie. Reste à savoir laquelle. As-tu, question bête, as-tu mis tes pilotes de carte graphique à jour? Normalement, oui. Puisque je diffuse sous Windows et je suis en mode automatique. Je suis pas en mode manuel. Donc dès qu'il y a une mise à jour à faire, elle se fait. Moi, carte graphique incluse. Alors non, Socra, merci à toi d'avoir été là. Dans une heure, je pense pas que je serai en train de diffuser. J'aurais fait un relais de chaîne à Christella. Christella aura pris son antenne. Et moi, ce sera le feu vert pour moi d'aller à la plonge et faire mon ménage de soirée. Donc merci d'être passé, ouais. Socra. À plus. Est-ce que t'as une tenue de ménage? Non. J'étais en train de réfléchir parce que j'ai une tenue de cuisine. Tu sais, le tablier pour pas en foutre partout. Et ça me va bien. Parce que je suis assez... on va dire maladroit et cacaburk. Mais de ménage, non. Mais tu me fais rigoler parce qu'une fois avec une connaissance, mais j'étais dans un établissement de formation à l'époque, j'étais limite, s'ils avaient eu le costume, d'enfiler un costume de soubrette et de faire le ménage pour faire une vanne avec. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Enfin bon... Et du coup, je pense pas que t'aies vu ça, mais est-ce que t'as vu les deux films Alien vs Predator? Non, non. Est-ce qu'ils ont fait deux films? Ouais, mais non, je les ai pas vus. J'ai peut-être vu le tout premier il y a longtemps, et encore je me demande si je suis pas en confusion avec un Alien, tout simplement. Mais non, de toute façon, je suis pas cinéphile, c'est une scène. Donc, je m'en souviens pas. J'ai dû entendre une critique du joueur du grenier... Qui a dû en parler. J'aime bien de temps en temps écouter leurs critiques cinéma, comme ça, ça comble un vide, hein, tu sais, en mode radio, peinard. Puis j'aime bien leurs propos, surtout celui de Karim Debbache. Il est intriguant, ce garçon, mais dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il a un propos très enrichissant, une critique bien éclairée du cinéma, et il est très agréable à écouter. Oh, j'ai frôlé le en une fois. Avec une chance insolente. Mm.
Oui, je suis sans importance, fan, mon dieu. Ah là là. Aïe! Je suis en train de me faire bobo, voilà. Ouh, faut que je me détende la jambe, je suis en train de me zigouiller le pied. J'aurais pas dû le poser comme ça. Oh, qu'est-ce que je vois dans le décor? Ah, j'avais jamais prêté attention, mais c'est les petits moyens de transport automatisés dans le jeu de golf. J'avais jamais fait attention qu'on pouvait les voir au loin dans le décor. Et c'est ce qui vient de me distraire. Attends, j'ai avec la vue, je sais plus où j'en suis. D'accord, les chroniqueurs plutôt. Alors, mon cerveau a bugué parce que quand t'as écrit Marcus et Julien te look, dès que j'ai vu Marcus, j'ai voulu intérieurement me dire Macron. C'est bon. Bref. Très bel air de piano. Ça fait musique de chambre en fait, ce qu'on est en train d'écouter. Ça doit être un pot de chambre. Je te reconnais bien là, tu es une scène. musique de chambre. Oui, mais pardon, c'est le thème consacré. Ah, c'est comme les musiques d'ascenseur, c'est pareil. Hein. C'est ça, je n'invente rien. Bon, là où je suis, il fait un soleil de dingue. J'ai 14 degrés. Hein ? 14 degrés. Non, sur Nancy, c'est la flotte. C'est quoi cette poule magicienne ? Et ce midi, j'ai eu des grêlons. Déconne pas. Ah non, j'ai des grêlons. Oh merde. Oh, mais c'est pas énorme, hein, ça va, mais... Non, il faut... Ça déconne zéro, les grêlons, faut faire gaffe. Quand ça reste du... Ouais, du petit gabarit, du genre du gros sel, ça va. Mais quand ça devient des balles de ping-pong ou pire, la gare... Ah non. Ça laisse des traces, malheureusement. Ah oui, une année, il y avait plein de voitures quand il bossait à cause de ça. Hein. Putain, la vache, c'est vrai que la poule magicienne, elle est redoutable. Elle est redoutable. Redoutable. Ah bah du coup on se retrouve à égalité, elle est bien bonne celle-là. À cause de la pluie. Oui non, à cause de la pluie, je disais tout à l'heure, moi j'ai baissé mes volets à midi parce que c'était déprimant et j'avais plus de lumière. Alors pour que vous puissiez voir un peu ma tronche, même si c'est pas le but principal de Twitch, j'ai rebasculé en lumière de salon. La bougie quoi. Ouais. Ouais. Oh la vache. J'arrive même plus à voir le... Où est-ce qu'il faut aller? Merdoum. Nullissime ce que je viens de faire. Bah, faut chercher le fagnon. Faut-il encore pouvoir l'atteindre? Je l'avais à vue. En fait, pour tout avouer, mon cher Twinsen, on a des poules qui crachent des boules de feu. Et c'est normal, un sacré obstacle que de gérer les boules de feu. Normal, ça. Ça, c'est un coup de Dragon Ska qui a dû copuler avec une poule, ça. Non. Ça fait des poules cracheuses de feu. Ouais, lui aussi, d'ailleurs, il doit être en train de bosser à l'heure actuelle, sacré Dragon Sky.
Non, je suis deg. Alors là, j'avais la prétention au moment de m'élancer de rallier l'arrivée, mais pas du tout. J'emmerdais. Alors par contre, tiens, j'anticipe par rapport à ce qui va se passer sur mon antenne. Si je vous abandonne dans quelques minutes, là, dans une grosse demi-heure, on va dire. Demain matin, vous me retrouverez sur Dying Light. Dying Light, demain matin, ça va me défouler, ça va me faire du bien. En parlant de ça, le jeu est encore gratuit jusqu'à demain, 17h. T'es un chef. Alors, dépêchez-vous. Ouais, voilà. Comme dit Twin Sen. Il n'y a pas du midi, ça aurait possible. Ouais. Je me permets de répéter parce qu'on t'a entendu un peu trop en hachuré par rapport à là où tu passes en bagnole. Mais merci à toi de le rappeler. Effectivement, sur Epic Games, l'Epic Store, enfin le magasin de Epic Games, vous pouvez revendiquer votre copie gratuite jusqu'à... Vous avez un peu plus de 24 heures encore pour la revendiquer gratos jeudi du jeu Dying Light 1er. Jusqu'à jeudi 17h. Jeudi 17h. Bah ça fait, allez, on va dire, il vous reste un petit chouïa 24h et quelques minutes. Si vous ne l'avez pas encore fait, et ça vaut vraiment le coup, parce que le jeu, je vous l'ai dit, hein, j'étais dithyrambique ce matin en parlant du jeu, mais c'est un jeu à avoir dans sa collection, il est magnifique. Alors il est sanglant, mais bon, c'est justifié, mais c'est un vrai défouloir. Donc si on le prend tous, peut-être qu'un jour on pourra faire du multi là-dessus. Et ce serait énorme. Niveau ambiance, je pense que ce serait énorme. Potentiellement... j'ai presque tous. Oui, on t'a compris en pointillé, mon cher Tunsen, n'enfonce pas le clou. Tu es un vilain, ah bah, c'est moche. C'est pas de ma faute. Ah là là. Et demain, il y aura d'autres jeux à la place. Voilà. Bah, j'ai le jeu, j'ai juste à l'installer. C'est bien. Alors je vous rappelle qu'en ce moment je découvre le jeu et j'y joue en solo dans mon coin. Mais après je serai ouvert à une carrière dans le jeu en coop. Parfois ouais, il y a des succès en coop à faire. En plus, oui voilà. Mais là pour le moment je fais durer le plaisir en solo et vous voyez à quel point je m'éclate comme un gosse. Ça me fait un bien fou. Donc pour ceux qui aiment bien le jeu et me voir faire mon foufou, me défouler, je vous donne rendez-vous déjà demain sur mon antenne à partir de 9h ou environ 9h, ça dépend si je suis matinal. Si je suis pas trop... Oui, non, je serai pas trop crevé, je pense, ce soir en allant me coucher puisque j'aurais fait un petit peu de vaisselle. C'est pas ça qui va m'épuiser. Alors, en plus, la version sur Epic, c'est la Unchained Edition. Oui, la totale, ouais, avec le contenu additionnel et ouais, c'est génial. Donc, faut pas cracher dessus, hein, faut y aller. Ouais. C'est rigolo, avec quelques simples éléments de décor, c'est minimaliste, j'ai envie de dire. On arrive à imposer une atmosphère, c'est vraiment... Enfin, j'aime bien. Tout dans la conception, dans le... Est-ce que quand t'étais petit, t'as fait du mini-golf, hein? Oui, les deux, mon capitaine. Ouais. J'avais la avec chance d'avoir... Des obstacles à la con, des décors à la con, voilà. Alors, pas tout. Les deux, des fois autour. Pas tout. Mais je valide le fait que j'ai eu la chance, gamin, d'avoir mon bi et mes pafs. Donc ceux qui connaissent pas les PAF, c'est des billes plus gros que la normale. Et je sais plus, il y avait des règles de jeu. C'est des cadeaux. Il y avait des règles de jeu, je sais plus lesquelles, mais je me souviens que je jouais avec mes petits camarades, que du bonheur. Et effectivement mini-golf. Il y a un mini-golf dans ma ville à Nancy qui est célèbre, c'est celui de la pépinière qui existe toujours. Décennie après décennie, il est entretenu, il est là, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Ça vaudrait le coup que tu fasses ça en cam avec Nayonette. Hein. Je sais pas si on aurait le droit. Je sais pas, il faut que je c'est un golf,
pas une piscine, hein, c'est un golf. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que moi, j'aime pas filmer les anonymes. Bah si, sur le principe, je serais censé flouter les visages, etc. Il faudrait presque que je loue le golf quand il n'y a personne pour pouvoir faire ça. Ça pourrait se faire un jour, hein, je dis pas. Mais à voir. Mais pourquoi pas. Et on vient tous à Nancy faire le golf, faire le mini-golf. Alors ça, ce serait génial. Peut-être qu'un jour, hein, là, j'aurais une joie à vous recevoir en ma ville pour ça, effectivement, ce genre de truc. Mais l'idée que tu avais dite aussi, peut-être qu'un jour, tu nous rejoindras à faire la promenade du plateau. J'aurais grande joie à te recevoir, Thunsen. Un jour viendra, je ne désespère pas. Mais je reviens au sujet, pardon, de conversation précédent, où on parlait des jeux en dur, en vrai, quand on est petit. Je suis pas tombé dans les autres pièges, on va dire, de collectionniste. Alors à mon époque, il n'y avait pas les cartes Pokémon. Il y avait peut-être deux jeux de cartes et j'y adhérais pas. Il y avait aussi les il y avait les toupies, il y avait les crados, oui. Il y avait les comment ça s'appelait là. Alors il y avait la collectionniste pour les pins. J'accrochais pas non plus. Enfin là, c'était plus vestimentaire que, mais il y avait des collectionneurs. Il y avait les POG aussi, je crois. Les POG, voilà, c'est ça. Alors, les POG, j'ai un petit peu joué, mais j'ai jamais accroché, donc j'ai jamais investi mon argent de poche dedans. Il y avait aussi des puces. J'ai pas fait non plus. C'était une sorte de bout de plastique en forme d'ovale, en forme de dôme. Tu retournais, tu mettais par terre et ça sautait tout seul. Ah, j'ai dû en avoir une. Ça me dit vaguement quelque chose, ta description. Et après, elles étaient plus ou moins grosses et plus ou moins épaisses. Et les plus épaisses, elles allaient plus haut. Et puis, il y avait l'espèce de ressort cylindrique, là, de fluorescent, qui faisait boing, boing, là. Ah, pour descendre les marches d'escalier, c'est ça, là? Ouais, tu t'amuses avec un quart d'heure, 20 minutes, une fois par mois, et puis après, ça finit au fond du placard, tu vois, le truc pas du tout écolo. Mais oui. Mais si, j'ai... Sinon, il y a les classiques Scooby-Doo. Je crois qu'on m'avait enseigné les Scooby-Doo. Mais j'en ai pas fait longtemps. C'est plus de l'art et de l'artisanat, donc c'était plus du côté des filles, ça. Mais j'avoue que j'ai eu une initiation au Scooby-Doo. Mais j'ai pas accroché plus que ça. Mais c'est sympa, hein. Comme toute activité, c'est... Ça mérite d'exister, comme on dit. Ah oui, c'est vrai qu'il est particulier, le monde-là. Ah, va y avoir le final avec la moto. C'est vrai. Bah, je pense qu'on fait le parcours là, et puis je vous aurais fait relais change chez Christella, parce que je pense d'ici qu'il y a un gros quart d'heure, Elle aura commencé, à 8 mètres. Excusez-moi, je baille comme un vilain. Parce que je me détends un maximum. Le petit EJ demandait à l'accueil. C'est pas cool de jouer monsieur. Au Lego en dur à côté, mais il faudra peut-être quand même jouer son coup. Merci. Si vous saviez ce que je suis en train de monter... Bah, t'avais dit que t'avais passé déjà pas mal de temps à démonter, puisque c'était une œuvre en Lego que ton papa avait faite. Oui. Donc, bon, c'était pas l'étoile noire de la guerre des étoiles, mais t'avais fait comprendre que c'était pas loin au niveau gabarit et nombre de pièces. J'avoue que ça fait son... ça pose son poids, ça pèse son poids. Hein. Mmh. Après, les Lego... Ça prend vite la poussière, hein, ce truc-là. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, après... Quand je regarde le faire, c'est pas super long, hein. Voilà. Bah, ça dépend du modèle. Hop. Rien de compliqué, hein. Ah, j'avais un coup à jouer, j'ai pas réussi jusqu'au bout. Dommage. Du coup, ouais, Jay est déjà en train de me battre. Non, mais c'est vrai. Je le remplace. Oui, j'entends ça. J'entends bien. Oh, j'ai mal... Oh là là, ma trajectoire est pas la bonne.
Je suis condamné à rejouer un coup en plus pour me dégager de ce pétrin. Oh non, je fais de la mouise. Je fais de la mouise, qu'on se le dise. C'est moche. Oui. Mmh. Attends, j'ai de la pluie, c'est magnifique. Mmh. Ouais, bah giboulet de printemps. C'est tout, hein. Non, l'essentiel c'est que ça complique pas ta conduite là, parce que ça déconne. Oh, ça. Je suis à quoi? Je suis à 60 à l'heure là. Mmh. Oui, mais ça dépend dans quelle voie tu te. Voilà. Ah, moi je suis sur l'autoroute, hein. Mmh. Et ça bouge un petit peu, c'est les sorties de travail, donc forcément. Ouais. Alors, double bogey, double bogey. Ah oui, très bien pensé ce parcours. C'est vrai, astucieusement bien. Ouais. Il pardonne pas. Ah merde. Et j'ai perdu. Ouais, c'est ça. Exactement. Oh non! Bah attends, là, alors là j'ai pas compris par contre. J'ai eu une collision qui était pas normale. Bizarre. Faudra que je vois quand je revisionnerai brièvement mon direct. J'ai été victime d'un bug, j'ai l'impression. Enfin bon, c'est pas. Oh bah merde, je suis un imbécile ou. Ah, je suis un imbécile! Je me suis mis une barrière psychologique. Tout va bien, je vais bien, comme le chante si bien Danny Boone. Qui vit aux États-Unis d'ailleurs, je crois. Il vit à Los Angeles, Danny Boone, hein, si j'ai pas de bêtises. Oui, à côté de la maison de Johnny Hallyday. Ah, bah dis donc, t'as des détails people que je ne savais même pas. Ah oui, parce qu'il allait chez Johnny lui montrer les films avant tout le monde. Ah, bah c'est sympa pour avoir une critique. D'accord. Ah, je savais pas. Après, c'est le genre de personnes qui ont des salles de cinéma chez eux. Donc. Oui, bah oui, non mais bon. Mais, tu vois, tu m'apprends un truc, je savais pas. Et, non mais c'est cool, entre beaux copains, quand t'as les moyens, c'est merveilleux, quoi, quand t'es artiste. Une zone, là, à Los Angeles, là, le même une icône française et tout, là. Mmh. Ouais, bah du coup, lui aussi, il a dû regretter la disparition de Johnny. Que je sache, c'était un mec bien. Hein. C'est quand même dégueulasse, je l'ai vu sur Twitch. Hein. Il y en a qui ont récupéré la terrible séquence de Michel Drucker qui est en larmes en train de dire à ciao mon pote au moment des hommages et l'annonce de sa disparition. Ça, on pourrait jamais savoir pourquoi on n'a pas connu autant que Michel Drucker. Ouais. À mon avis, il devait se faire des bouffes le soir ou le week-end ou en vacances ensemble. Bah oui. Il s'appréciait humainement, donc voilà quoi. Mais bon, quand même, Michel Drucker, il a quand même connu tout le monde, quoi. Oui, oui. Non, puis après, c'est une histoire d'affinité entre individus. Mais là où je veux en revenir sur mon idée première, c'est que. Alors, je sais, c'est la culture, ça fait partie de sa notoriété, qu'il soit une personne publique. Mais l'idée de récupérer pour rigoler le moment où il est, je le crois vraiment sincèrement, en larmes de perdre un bon copain. Où il dit ciao mon pote en pleurs. Je me souviens même avoir eu le débat en famille, en fait, un bon repas en famille, de se dire ils auraient peut-être dû couper à ce moment-là parce que ça devenait presque indécent de voir Michel Drucker en train de pleurer la perte de son ami, quoi. Devenait malaisant, comme diraient les Québécois. Déjà quand tu fais un direct et que tu parles sur lui, à un moment donné, tu craques, hein, tu veux pas te tenir comme ça. Bah oui,
puisque c'est voilà, c'est un vrai ami, quoi. C'est l'émotion est imparable. C'est obligé. Les souvenirs remontent, quoi, forcément. Donc, Message de Docteur Boutique 11. Exceptionnellement, Monsieur Poupon va faire un stream ce soir à 21h. Quand il va mourir, on ne pas autant de cirque. Non, puis attends, puis il y avait peut-être. Alors, merci, je fais écho. Merci à FunFan qui m'a donné l'info comme quoi Poupon va exceptionnellement faire un direct ce soir à 21h. Donc, à la suite de Christellar. Mais c'est sympa, moi, ça va me faire ma soirée, c'est cool. Merci pour l'info. Oui, ce qui prouve à Monsieur Twinsen qu'on, quand on est diffuseur, on peut changer son calendrier à tout moment. te fait passer le message, votre fan, par mon intermédiaire. Bref. C'est quoi, c'est le stream sauvage, c'est ça? Oui, voilà. Mince, du coup. Oui, dire que. Alors là, je me mets à la place du regretté Johnny Hallyday. De se dire, quand t'es du milieu de la télévision. C'est peut-être même, va savoir, un vœu posthume, une volonté, comment on appelle ça, dernière volonté funeste. Il a peut-être demandé, je veux que ce soit Michel Drucker, mon ami Michel Drucker, qui soit le commentateur de mon enterrement. Ouais, ça ne saura jamais, ça. Oui, mais je le suppose, tu vois, parce que je me mets à la place de Johnny. Je suis une célébrité, je sais que je ne me reste plus très longtemps à vivre. Tu vois, je devrais reconstruire sa condition dans la réalité et la rapporter à moi, là, maintenant. Bah, tu vois, je mettrais presque carrément dans mon testament, je souhaiterais que mon décès soit commenté par FunFan. Pourquoi? Parce que FunFan est un bon copain. Dieu. Et je lui... Oui, mon Dieu, mais je lui ferai confiance pour me faire hommage, honneur. Il va me fouiller, arrête. Oui, mais en même temps, tu vois, je me dirais, ce serait un moment dramatique. Accidentellement, il aurait le potentiel pour en faire un moment drôle. Donc je me dis, tant mieux, c'est beau, c'est une belle manifestation de la vie, encore et encore. Ouais. Moi, tu vois, je lui ferais confiance, parce que je partage ces valeurs-là. Après, on aime ou on n'aime pas, mais ça, c'est autre chose. Au moins, ça respecte la volonté du défunt. Ah, je suis deg. Oh, je suis tombé sur le coffre du taxi. C'était rigolo pour le coup. Alors, le prochain taxi, c'est celui qui va dans le bleu. Donc, je me mets dans le cube bleu. Le bleu. C'est ça. Le taxi Michou. Ah, là 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 là. Du coup, j'ai ma curiosité qui est piquée au vif parce que je suis en train de regarder les animations qu'ils ont programmées dans les panneaux publicitaires dans cette ville virtuelle. Il y a des trucs intéressants. Je suis pas sûr de ce que je vois, mais... Il y a des moments, est-ce qu'ils ont recyclé des séquences du jeu de golf en lui-même, mais même pas. Non, non, il y a des trucs qui, visiblement, qui sont littéralement créés en images de synthèse. Oh, oh non! On peut pas le faire en une fois! J'ai fait la trajectoire parfaite à 100% et j'ai échoué à 5 cm de l'arrivée. Oh, 5 cm! C'est pas, ouais, un cousin de monsieur en centimètres? Ça aurait pu, sans déconner, ça aurait pu, là. Vraiment. Oh là là. Merde, je viens de me faire rouler dessus. Ça, par contre, c'est pas cool. Tiens, j'ai bloqué mon compteur à 111 km/h. C'est une voiture FunFan. 111. ça va pas vite, hein, je le dis, moi. Enfin, sois prudent. Tu dis ça, mais vraiment, je t'invite à la prudence. Ah, mais c'est bon, là, les bouchons sont partis, là. Là, ça va bien mieux, déjà. Il y a quand même beaucoup de camions, hélas, hein, mais bon, c'est la route, hein, qui veut ça. Bah, oui, mais en même temps, on est bien content de... C'est une route, c'est un axe principal, donc forcément, il y a du monde. Il y a au transport. Alors, justement, en parlant des transports,
Je me demande si on exploite bien, nous, par rapport au territoire français, si on exploite bien nos voies ferrées. Je crois pas. Hein. Je crois qu'on pourrait, techniquement, avoir la même qualité de service si on pouvait déporter nos remorques des camions vers les voies ferrées. Oui, mais ça va être déjà soumis comme hypothèse, ça. Mais a priori, ça se fait déjà, mais pas partout. Donc, peut mieux faire, si je te comprends bien. Oui, ça se fait déjà, mais pas à 100%. D'accord. Ah la vache. Bien pensé. Vraiment, le parcours, j'admire. C'est pas la première fois qu'on le fait sur mon antenne, mais je suis toujours admirateur de ce... L'œuvre est bien conçue, bien pensée, c'est dans le thème, tout est cohérent. Et Edge en bave, on va dire, poliment. J'en rigole parce que moi j'ai déjà fini le parcours. Ah, je rigole, mais il me tient en tête. Merde. C'est ça. Il est parti pour gagner. Ça suffira pas pour rattraper mon retard. C'est un scandale! Oh, c'est beau! Oh, c'est perdu. Poilot U. Ah, trop fort. Ouh, j'ai frôlé la correctionnelle, ce qui a visiblement été le cas d'Edge. Oui, Oui, tu peux le dire. T'es à 1 mm du vide. C'est bien, t'auras assuré le spectacle. Bravo. Ah, la moto. Ce film est une exception. C'est 1 mm pour un pixel. Plus millimètre, parce que des pixels, il y en avait encore. La texture est plutôt haute résolution, d'ailleurs. Oui. Ça me rappelle quelque chose, la moto... La montée sur... C'est une pyramide, hein. Enfin, ah non, c'est pas une pyramide. Non, c'est un barrage. Ouais. Enfin, un barrage. Oui, si, c'est une espèce de barrage. En pleine ville, je sais pas comment on pourrait le décrire, mais... Bah, le décor, là, tu vois, qu'on le voit comme ça, je pense à J-Police. Un vieux jeu. Pardon, tu voulais dire quoi, tu une scène? Je sais plus. Un barrage en pleine ville, c'est quand même louche, hein, un barrage en pleine ville. Merde! J'ai merdé mon tir, bêtement, en plus. Ah, bravo, Edge. Ah, magnifique. Alors, on n'est pas sous le par, mais tu me bats 80 à 85. Du coup, tu veux t'arrêter là, c'est ça? Non, je peux. Bah, tu me poses une colle. J'ai pas vu la notification comme quoi Christella avait lancé. Attends, je vais vérifier. Parce que là, il est 17h. Bah oui, là pour le coup, la ponctualité est là, mais je suis pas certain qu'elle ait commencé à émettre. Attends, je vais vérifier. Minute papillon. De toute façon, il faut que je lance mon navigateur. Je l'avais pas lancé. Je suis obligé de le lancer pour réussir à faire un relais de chaîne. Je peux plus le faire depuis mon logiciel parce que j'ai un problème de droits qui ont été dégradés. Et il faut que je revoie dans la config, mais c'est casse-bonbon. C'est pas intuitif, on va dire. Oui, il y a des successions de sons. Ah bah ça y est, je viens d'avoir la notif comme quoi elle vient de démarrer. Bon bah c'est parfait, on arrête là. Au même instant, nickel, elle est ponctuelle. Je reconnais bien la Christella. Par contre, il faut que j'accède voilà, à mon propre direct si je veux pouvoir faire le relais de chaîne. Par contre, il faut que j'accède, voilà, et du coup, elle fait quoi comme truc si je veux... Tu m'as posé une colle, j'ai même pas regardé le jeu qu'elle avait déclaré. Attends, c'est, je te dirai ça juste Bloodborne. Après. C'est ah bah Bloodborne. Voilà. Merci Ajay. Bloodborne. Ah. Alors. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci mon cher fan pour la modération, la présence, l'animation. J'ai failli dire l'agitation. Il y a un peu de ça aussi. Mais bienveillante cette agitation, c'était bien. Merci voilà, aux participants de la vocale, hein, c'est à tout Edge et mon cher Tunsen, bon route à toi, sois prudent, je renouvelle
Mais ah, il me reste 105 km à faire. Hein. Oh mon pauvre, t'as encore une grosse heure de route au moins avant d'être au bercail. Mais je suis à 6 heures à peu près. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, franchement, bravo à toi. Mais c'est travail. Ouais, ouais, enfin bon, on en a déjà discuté, débattu, mais bon, bref, moi ça me bouffe. rien que d'y penser, vraiment, ça me bouffe les nerfs. Alors, l'idée de le vivre, je crois que je deviendrais littéralement fou, je perdrais la raison. Je perdrais mes nerfs, pour le coup. Enfin, bon, bref. Merci pour vos clips. Je vérifierai dans la soirée ton clip, ma chère Razmoquette. Je vais regarder d'ailleurs dans le quart d'heure qui suit le message que tu m'as rédigé. Tu m'avais complété ton propos. Merci à toi, je te répondrai avec plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous demain aux environs de 9h et je me défoulerai sur les zombies Dying Light, dont vous pouvez récupérer une copie encore. Vous avez 24 heures sur Epic Games. On aura... C'est moi qui l'ai dit. Oui, merci Tunsen, oui, merci pour tes infos. Après, ça sera payant après, hein. Je veux pas dire, mais voilà. Oui, bah oui. Et avant que ça zappe au niveau du relais de chaîne, merci Edge d'avoir joué avec moi et puis d'avoir configuré le serveur. Merci tout plein. Avec plaisir. Bon, bon courage pour tes... Ah, ça y est, il est revenu l'autre là. Pour tes 48 heures de cours qui te restent avant tes 15 jours de vacances, mon cher Edge. Bah, je pense qu'on aura peut-être le plaisir de se faire un jeu en commun. Ce week-end, je suis là aussi, samedi, dimanche, on verra. On sera peut-être un peu de Lego World, par exemple, on verra. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci, merci. Allez, je vous laisse. Je zappe. Voilà, vous allez vous retrouver sur le moment d'attente, introduction de Christella. Moi, voilà, je vous dis à demain. Bisous tout plein. Bonne soirée à vous toutes et toutes. Et voilà. Bisous, bisous. Je sais plus quoi d'ailleurs. Que du bonheur. Ciao, la Jed, voilà, qui m'a écrit à Wartel qui est sorti, l'accès anticipé, 3 gigas de mise à jour. Bah, bon courage avec ça. Enfin, ils sont déchaînés au niveau des sons. Mais je vais zapper. Ciao, bisous, prenez soin de vous, à demain. Et c'est là où je me rends compte que le relais de chaîne ne se fait pas. C'est un peu long la détente, mais et si, on, ça se fait. On dit des gros mots, des grossièretés. Non, non, non. Vilain. Non, non, je coupe ma transmission. Alors, je le fais en deux temps, en fait. D'abord, je me déconnecte de Twitch pour arrêter d'émettre. Et seulement après, dans un deuxième temps sous OBS, j'arrête l'enregistrement. Ce qui me permet d'ailleurs de faire à part des remerciements pour les anonymes qui me suivent sur YouTube, entre autres. Et ceux qui me laissent des commentaires où j'ai plaisir de répondre. Ciao, bisous à vous aussi, les aficionados de YouTube. Allez hop, je coupe.